Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir aussi toutes les personnes qui nous regardent actuellement. Je vais commencer par faire l'appel des élus présents et les pouvoirs. Donc Félix Boron-Séverine, Monsieur Julien Alouche-Génassia, Madame Françoise Benamou, Laura Caetano, Alberto Darocha, Sonia Da Silva donne son pouvoir à Nicole Lelièvre, Alexandrine Farry, Yannick Fro, Guillaume Gerva, donne son pouvoir à Mathieu Guillou, Marie-Joseph, Mathieu Guillou, Jennifer Lamotte, Émilie Lelièvre, Nicole Lelièvre, Thierry Liron, Zinedine Jatti donne son pouvoir à Jean Morlaix, Mélissa Pagès, Cédric Pereira-Alves donne son pouvoir à Marie-Joseph, Jackie Pouillon, Michel Rigas, Djibril Souma, Albert Van de Boer, Lionel Valquer, Ersine Delicaya, Anne Gravière, Jérôme Guyard, François Petitbon, Denis Saadia, Patrick Anne, absent, Marie-Laurence Liop, Katoucia Griffith et Carole Nadal. Bien, je vous remercie. Alors, ce soir, à l'ordre du jour, nous avons plusieurs délibérations, exactement 14 délibérations. Nous avons l'adoption du procès-verbal, une motion relative à la protection d'une zone naturelle protégée sur le hameau de Moulignon déposée par les élus Agir pour notre ville. Nous avons également une autre motion qui va vous être déposée sur table, qui a été reçue par le groupe Ensemble. Nous aurons aussi, je présenterai les rendus des décisions du maire et puis les rendus des demandes de déclaration d'intention d'aliéner. Alors, secrétaire, je propose Mathieu Guillou sera secrétaire. Alors, pour les motions, on vous distribue la motion du groupe Ensemble, la motion du groupe des élus Agir pour notre ville a été transmise et envoyée par, avec les délibérations. Pour le groupe Agir pour notre ville, qui souhaite présenter, qui sera le rapporteur de la motion ? Madame Gravière, très bien. Et pour la motion présentée par les élus du groupe Ensemble, Lionel Valquer. Merci. Très bien. Alors, je propose donc Madame Anne Gravière de présenter la motion que vous nous avez transmise. Oui, bien sûr. Madame Anne Gravière, c'est bon pour la présentation ? Je donne la parole. Tu me la donnes ? Oui, donc effectivement, notre groupe a présenté cette motion à la suite de ce qui s'est passé au niveau du chemin des Roches. Donc c'est repris dans les considérants. Donc si vous le permettez, bien que tout le monde a dû en prendre connaissance puisque notre motion était dans le dossier du conseil municipal, je vais procéder à sa lecture, ne serait-ce que pour le public. Donc c'est une motion relative à la protection d'une zone naturelle protégée sur le hameau de Moulignon. Considérant les travaux non autorisés réalisés à l'entrée du chemin des Roches
au hameau de Moulignon, considérant les dommages causés par ces travaux non autorisés dans une zone naturelle protégée, considérant que lesdits travaux impliquaient un décaissement du chemin de terre en vue de réaliser un chemin d'accès vers une parcelle adjacente devant permettre sa viabilisation, considérant les nombreuses alertes adressées par des administrés à la municipalité, et notamment Madame la maire, par un procès-verbal du 7 janvier 2022 de la police municipale, l'arrêté pouvant être pris dans la foulée pour mettre fin à ces travaux illégaux et aux troubles manifestement illicites en résultant, considérant l'absence de réaction et de réponse de Madame la maire, en dépit de l'obligation lui incombant de faire respecter en vertu de ses pouvoirs de police les lois et règlements sur le territoire communal, considérant que les multiples relances des habitants et associations locales n'ont pas suffi à convaincre la municipalité d'une intervention en bonne et due forme, considérant que seule la sollicitation de députés et médias locaux à des fins de soutien et l'organisation d'une manifestation sur site par des habitants le samedi 22 janvier 2022 ont convaincu Madame la maire et ses colistiers d'intervenir le vendredi 21 janvier 2022, soit près d'un mois après le début du saccage du chemin protégé, considérant la manifestation organisée par des riverains et associations locales le samedi 22 janvier 2022 sur le site détérioré, considérant que la majorité municipale n'a pas jugé utile d'être représentée à cette même manifestation, alors même qu'elle ne s'est pas privée, sur les réseaux sociaux, de faire preuve de dédain à l'égard d'administrés ayant pour seul objectif la protection du patrimoine naturel communal, considérant la nécessité de préserver les espaces naturels de la commune, parmi lesquels ce chemin de terre dénaturé, considérant la pertinence de réaliser des travaux de remise en état à l'initiative de la commune et ainsi de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, le conseil municipal, après en avoir délibéré, s'engage à ne plus permettre que soit procédé à une altération du patrimoine communal naturel, notamment par des mesures de prévention consistant à l'installation d'obstacles divers ne permettant pas un accès véhicule, s'engage à intervenir dans un délai de 24 heures à compter de la première alerte adressée à la mairie et faisant état de travaux illégaux de tout type, s'engage à procéder sans délai à la remise en état du site saccagé à l'entrée du chemin des Roches au hameau de Moulignon, mettant ainsi fin à un trouble manifestement illicite. Donc voilà la motion que nous présentons, qui résulte de la situation décrite. Je donne la parole maintenant à M. Lionel Valcaire pour la motion que le groupe Ensemble présente. Oui, au regard de cette motion, il nous a apparu deux, trois choses. D'abord, un certain nombre de considérants dont on ne sait pas vraiment sur quoi ça repose. Des erreurs réelles. Voilà, je ne veux pas rentrer dans le détail parce que ça serait, c'est pas l'endroit ni le lieu de faire ça. Attendez, je ferme mon main. Voilà. Les considérants sont plus l'objet d'attaques auprès du maire et de la gestion de cette affaire, plus que vraiment une motion. Une motion, c'est une proposition. Une proposition à faire. J'ai quand même quelques années dans les collectivités, j'ai jamais vu une motion de ce type-là. Voilà. Quant aux propositions après, éventuellement, ce qui est signifié dans ce texte, c'est le conseil municipal s'engage à, sauf que le conseil municipal, c'est nous tous. Et nous tous, on n'a pas de pouvoir pour effectivement faire ce que vous proposez de faire. Donc si on votait ça, ça veut dire qu'en réalité, on s'engagerait à faire quelque chose dont on n'a pas le pouvoir de faire, ce qui est un peu complexe. Alors à côté de cela, on a compris qu'à travers le sujet posé, il y a un problème de fond. Un problème de fond que connaissent toutes les collectivités, toutes les équipes municipales, quelles qu'elles soient. Je ne voudrais pas rappeler les déboires que vous avez eus, par exemple, avec l'occupation illégale, le déboisement, chez monsieur le maire de l'époque. Voilà. Ou qui a fait l'objet de discussions, de débats, d'interventions de votre part aussi. Voilà. Donc, il y a effectivement aujourd'hui, hier, mais aujourd'hui peut-être encore plus, et on l'a sur la commune, et pas qu'au chemin des Roches,
une tendance à ne plus respecter les règles, à s'installer de force, à s'installer au-delà de tout règlement. Et on a préféré vous proposer une motion avec des propositions très précises qui étaient effectivement de regarder comment on pouvait s'engager de façon plus forte encore et à travers des demandes auprès du maire qui a le pouvoir de police, de l'urbanisme notamment, de pouvoir effectivement intervenir. Donc je vais vous la lire et puis eh bien, on verra effectivement si on préfère une motion accusant, ressemblant plus à une motion de censure. Mais dommage, on n'est pas à l'Assemblée. Ça n'existe pas pour les conseils municipaux. Et puis il y a des propositions que le conseil, qu'on s'engage tous les uns et les autres, sans avoir réellement le pouvoir de le faire. Donc, on vous propose une motion qui à la fois reprend le fond du problème que vous soulevez et qui à la fois, bien sûr, se veut être de vraies propositions pour l'ensemble du conseil municipal. Vu la multiplication depuis des années d'occupations illégales sur des terrains publics ou privés, vu les infractions croissantes aux règles d'urbanisme, vu la volonté des élus de Saint-Fargeau-Pontiry, en général, on ne parle pas que de la majorité, de préserver la qualité du cadre de vie de la commune, et là je ne doute pas qu'on en est tous attachés, on est tous attachés à ce cadre de vie, les élus du conseil municipal de Saint-Fargeau-Pontiry demande au maire de considérer ces infractions aux règles de l'urbanisme, donc la délinquance urbaine un peu, hein, au même niveau d'intérêt que celui apporté jusqu'ici à la sécurité publique. Se félicite des nouvelles dispositions prises par le législateur, il n'y a pas très longtemps, renforçant les pouvoirs du maire en matière de lutte contre les infractions aux règles de l'urbanisme, et encourage de ce fait le maire à poursuivre ses démarches en vue de doter la commune d'une véritable police de l'urbanisme qui, une fois l'assermentation des agents de police municipaux acquise, permettra une meilleure réactivité. Voilà, concrètement, ce qu'on propose. Et donc, on invite les élus du Conseil, on vous demande de s'associer au groupe majoritaire pour inviter la collectivité à communiquer sur les règles en vigueur et sur leur respect en utilisant tous les outils de communication dont elle dispose. Il faut que notre population sache, voire des populations extérieures, qui sachent que sur la ville de Saint-Fargeau-Pontiry, on ne pourra plus faire ce que l'on veut. Voilà, il y aura effectivement une police de l'urbanisme avec des assermentations réelles qui pouvaient être faites avant, hein, et qui aujourd'hui, certes, ce sont de nouveaux agents. Et donc, les démarches sont aujourd'hui entreprises. Voilà, on est prêt à répondre à vos questions. Si nécessaire. Oui. Madame Gravière. Merci pour cette motion, effectivement. Au moins, notre motion aura servi à vous faire prendre conscience qu'il y a effectivement des infractions aux règles de l'urbanisme sur la commune. C'est bien. Alors maintenant, je trouve que vous êtes quand même passé relativement rapidement sur nos considérants. En disant des détails, des fakes. Écoutez, je pense que toutes les personnes qui vous ont alerté parmi la population jugeront de ces propos. Maintenant, c'est bien, vous allez mettre une police de l'urbanisme. Mais, et vous dites que vous ne pouvez pas vous engager à intervenir dans un délai de 24 heures. Les engagements qu'on vous demande dans la motion ne sont pas réalisables. Il est impossible que vous interveniez dans les 24 heures. Quelque chose qui l'empêche. Je peux répondre. Et d'autre part, la police actuelle, la police municipale. Non, juste là-dessus, vous proposez dans votre motion que ça soit le conseil municipal qui s'engage à intervenir en 24. Donc le conseil municipal, c'est tous. Voilà. Hein? Sauf que là, on parle du pouvoir de police du maire. Donc, c'est différent que du conseil municipal. Personne, enfin, à part le maire, a ce pouvoir de police. Je vous redonne la parole. Attendez, je vous redonne la parole, Madame Gravière. On parle bien, justement, Madame la maire, du pouvoir de police, de votre pouvoir de police. Donc, qu'est-ce qui vous empêchait, là, dans le cas présent de ce chemin des Roches, d'intervenir dans les 24 heures, parce que vous n'aviez pas de police de l'urbanisme.
C'est ça qu'on doit interpréter à la lecture de votre motion ? Ce n'est pas très raisonnable. Enfin, du moins, je pense que les faits robotas jugeront. Alors, on va vous donner tous les éléments. Enfin, je crois que c'est important de les rendre publics parce que la façon dont vous présentez les faits pourrait, vous souhaitez nous mettre en défaut, ce qui n'est pas du tout le cas, parce que nous avons mis en place tout ce qu'il fallait, et je laisserai la parole tout à l'heure, une fois qu'on aura voté les motions, à M. Liron et Mme Farry, qui vont pouvoir vous dérouler clairement, afin que, bien sûr, tout le conseil municipal et les éléments, ainsi que les habitants, parce qu'il est important, effectivement, que les informations soient transmises à tous. Alors, avant qu'on vous apporte les éléments clairs et précis concernant les procédures qui sont en œuvre et en cours par rapport à ce chemin des Roches, la problématique autour du chemin des Roches, je vous invite donc le conseil municipal à vous prononcer sur l'une des motions, pardon, la motion présentée par le groupe politique Agir pour notre ville ou le groupe politique Ensemble. Voilà. Donc il y a des questions. Excusez-moi, monsieur Patrick Anne. Attendez, on va vous donner. Ça fonctionne ? Est-ce que vous pensez que je dois voter pour les Roches ? Moi, je ne crois pas. Je ne peux pas être jugé par. Tout à fait. Bah, je vous invite à ne pas prendre part au vote. Ça semblerait effectivement. Okay. Pour quelles raisons ? Pour les raisons. Je ne sais pas. Enfin, si. On n'est pas sur le même chemin. Non, mais c'est compliqué parce que ce chemin fera lieu de. Alors en fait, pour la petite histoire, c'est pas à l'heure du jour, mais pour la petite histoire, il y a eu un permis d'aménager d'une division de 3 lots avec une vente d'une maison qui a fait lieu en juin de 2020, juste après les élections, d'une problématique d'eau dans le sous-sol. Or, on n'est pas du tout sur le sujet. On n'est vraiment rien à voir. On est vraiment sur le chemin des Roches, qui n'est pas sur la parcelle. Alexandrine, tu veux intervenir ? Est-ce qu'on parle de la parcelle ou bien on parle de la parcelle et du chemin ? Alexandrine. Ok. Oui, effectivement, ça n'a absolument rien à voir. Ce que vous évoquez, c'est le début du chemin des Roches, alors que là, et cette partie-là d'ailleurs est viabilisée, on peut rouler, il n'y a pas de problème de stabilité, c'est pas du tout un chemin, alors que la partie qui est évoquée là est beaucoup plus loin. Et sur la partie qui était un véritable chemin. Donc ce sont vraiment deux sujets qui n'ont rien à voir l'un avec l'autre. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport aux deux motions ? Est-ce que certains veulent intervenir ? Oui. Oui, donc l'intervention de Monsieur Anne interpelle quand même, parce que du coup, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? On doit comprendre que ce qui a été réalisé sur le haut du chemin des Roches a un quelconque impact sur un lotissement qui aurait été autorisé en dessous. Non, d'accord. Non, mais excusez-nous, mais peut-être c'est peut-être clair pour les personnes qui ont été parties prenantes du projet. C'est pas mon cas. Oui, Marie-Laurence Yop. Oui, non, simplement parce que là, moi, je nage dans le potage complet. Est-ce qu'il serait possible d'avoir les informations avant de passer au vote ? Alors, on va le faire, effectivement. Alors, on va effectivement vous apporter tous les éléments parce que il est important de. Donc, je vais laisser la parole à Thierry Liron, à deux voix avec Alexandrine, pour effectivement vous apporter tous les éléments à partir de ce fameux 7 janvier. C'est bon pour toi, Thierry. Bonsoir tout le monde. Donc nous avons eu, concernant ce sujet, ce dossier, un premier signalement comme quoi des travaux étaient engagés le 6 janvier. Le premier constat de police de la police municipale a été fait le 7 janvier. Les travaux ne s'étant pas arrêtés, un second constat de police a été fait le 11 janvier. Le même jour, 11 janvier, un procès-verbal d'infraction a été dressé. Le même jour, 11 janvier, ce procès-verbal a été transmis au procureur. Le 13 janvier, les contrevenants ont été convoqués
dans le cadre d'une procédure contradictoire préalable à l'arrêté interruptif de travaux. Le 20 janvier, la procédure contradictoire a eu lieu. Nous avons reçu à la mairie et les contrevenants, à cette occasion, ont déclaré arrêter les travaux. Le 21 janvier, donc le lendemain matin, un arrêté interruptif des travaux a été rédigé et transmis le jour même au procureur. Effectivement, depuis le 21 janvier, nous avons constaté l'arrêt des travaux, l'arrêt effectif des travaux. Nous avons depuis adressé une lettre recommandée aux contrevenants dans le cadre d'une procédure contradictoire qui était préalable à la mise en demeure de la remise en état. C'est-à-dire que nous avons adressé, par lettre recommandée, un courrier stipulant que nous allions, par un arrêté, demander la régularisation de la situation aux contrevenants. Bon. Tout cela a été fait parfaitement en concordance avec la législation en vigueur, avec les lois en vigueur. On rappelle quand même qu'on est dans un état de droit, qu'il n'est pas possible d'intervenir en dehors de ces procédures et que les procédures qui sont mises en œuvre récemment, hein, parce qu'on parle d'une loi, la loi 19/1461, qui a été votée le 27 décembre 2019, mais qui a été mise en application il y a 6-7 mois environ, hein, d'après ce que nous ont dit les responsables de la police du département que nous sommes allés rencontrer à Moissy-Crémaillel, cette loi est toute récente. Et donc, dans le cadre de cette mise en demeure de régularisation, il y a une procédure contradictoire qui est obligatoire, qui est préalable. Donc, nous avons enclenché cette procédure, nous avons envoyé les recommandés, et nous allons donc recevoir ces gens-là une deuxième fois, parce qu'ils ont déjà été reçus une première fois, mais cette fois dans le cadre d'une procédure qui vise à adresser un arrêté de mise en demeure de régularisation. Donc, la régularisation va avoir lieu, on s'y engage. Cette mise en demeure est accompagnée d'une astreinte, hein, qui est fixée par Madame la maire, et qui ne peut pas être supérieure à 500 euros par jour de retard, et qui ne peut pas être supérieure au total à 25 000 euros. Voilà exactement où on en est de la procédure. Ce que je voulais signaler quand même, c'est qu'avant le 6 janvier, nous n'avions absolument pas eu d'informations de remontée de la population. Nous avons consulté près de 600 fiches, parce que vous savez que la population sait comment nous trouver. Quand ils ont des choses à nous dire, ils savent où nous trouver. Ils savent qu'on est sur le marché. On a épluché les fiches sur le marché. Aucune des fiches sur le marché ne parle de cette affaire-là. Madame la maire reçoit également des administrés samedi matin. Aucun d'entre eux n'a signalé ceci non plus. On a vérifié aucun courrier ni mail donc avant cette date du 6 janvier. Et le 6 janvier, ça nous est arrivé en fait par un élu. Voilà. Nous avons strictement respecté les procédures en vigueur. Comme je l'ai dit, pas d'intervention en dehors de cette procédure-là. Nous sommes appuyés sur notre service juridique. Nous sommes appuyés sur des avocats spécialisés en urbanisme que nous avons consultés. Et nous avons rencontré les autorités policières compétentes sur l'urbanisme à Moissy-Crémaillel. Voilà. Lesquels nous ont parlé de cette nouvelle procédure qui donne effectivement plus de pouvoir au maire. Donc nous avons parfaitement respecté toutes les procédures en vigueur et je ne vois pas ce qu'on aurait pu faire de plus. Ce que je voulais également signaler, puisqu'on parle des considérants, aucun député, aucun média, contrairement à ce que vous affirmez dans vos considérants, aucun député, aucun média ne nous a contactés sur ce sujet avant que nous réagissions et n'a exercé la moindre pression sur nous. Aucun. Donc là, on est dans du pur fantasme qui fait partie de vos considérants. Voilà, ce que je tenais à dire, je ne sais pas si Alexandrine aura des choses à compléter par rapport à tout ça, mais en tout cas, tout est fait pour que le site soit remis en ordre comme il était auparavant, que tout soit régularisé. Oui, je souhaiterais simplement dire qu'il n'est légalement pas possible d'intervenir en 24 heures. Il y a des lois, et notamment cette fameuse procédure contradictoire, on ne peut pas prendre un acte tant qu'on n'a pas entendu les personnes. Ça fait partie de la loi. Donc on a mis en place cette procédure contradictoire très très vite. Effectivement, il y a un délai, et qu'en plus nous avons raccourci, parce que ce délai est en principe d'une quinzaine de jours, et on l'a porté à une semaine. Donc, quand il est dit dans une motion qu'il faut intervenir en 24 heures, c'est faire fi des textes et des obligations que toute collectivité a d'écouter l'administré. Merci. Oui. Euh,
Vous voyez, finalement, ce qui est dommage, c'est que vous apportiez ces précisions aujourd'hui, parce que vous auriez fait ça dans le, entre guillemets, dans le feu de l'action. Enfin, vous auriez rassuré les personnes qui avaient constaté ces infractions. Vous leur auriez dit que vous étiez en train de faire le nécessaire, que bien sûr vous vous en occupiez et que vous deviez respecter, comme le dit Madame Farry, un certain délai. Peut-être que les personnes n'auraient pas créé toute une série de discussions sur les réseaux, effectivement, en particulier, et que les ferro-pontins auraient été rassurés. Mais ce n'est pas le cas. Donc si on relate ça aujourd'hui, c'est bien parce qu'il y a eu un défaut de communication évident. C'est tout. Donc merci aujourd'hui d'apporter toutes ces précisions. Alors, je donne la parole à Monsieur Valcar. Oui, écoutez, on est ravis que vous nous reprochiez d'un défaut de communication. C'est quand même une grande première. Donc on entend et je pense que les choses sont dites. Après, voilà, on a rencontré, on a vu des gens, etc. Tout ça pour vous dire qu'entre une motion qui prend, a priori, des informations des réseaux sociaux, relayées par des élus grands et responsables, qui ont, a priori, à vérifier les informations qu'on leur donne. Et on est tout à fait ouvert. Et d'ailleurs, il y a certains d'entre vous qui sont venus nous voir sur le marché. Ils sont même restés un bon moment. Ils auraient pu nous poser les questions et on leur aurait donné les réponses. On les avait, voilà. Donc, on a eu le plaisir de les rencontrer. Hein. Donc, nous, on vous propose, plutôt que d'aller là-dessus, une motion qui soulève le problème de fond qui existe. Vous l'avez connu, on le connaît, les autres le connaîtront, ça existe dans les autres communes. Et on dit simplement, on vous propose que l'ensemble du conseil municipal, collectivement, on va pas regarder ce que vous avez fait ou pas fait, on va pas regarder ça, on va pas rentrer là-dessus, on dit maintenant... On se dote d'une police de l'urbanisme assermentée, qui a toutes les capacités, qui effectivement aura les outils aussi vis-à-vis d'une loi de l'urbanisme qui est très compliquée. Et on vous propose effectivement d'accompagner le maire, que cette motion accompagne le maire dans sa détermination, avec les élus concernés, dans sa détermination à pouvoir lutter contre les illégalités en termes d'occupation urbaine ou en termes de défaut de permis et autres. On a identifié aujourd'hui au moins 8 ou 10 situations complètement illégales et irrégulières et qui datent pas simplement d'un an et demi. Voilà. Mais qu'importe, on assume les choses et il en arrivera d'autres pendant notre mandat. Voilà. Vous n'en êtes pas responsable à l'époque. Nous, je pense qu'on n'en est pas responsable non plus. Par contre, on a cette forte volonté qu'on l'exprime dans cette motion. Et merci de nous avoir fait penser à effectivement pouvoir faire une motion en ce sens, qui confirme cette volonté de garder notre cadre de vie et que la délinquance vis-à-vis des questions d'urbanisme soit traitée de la même façon que toute autre forme de délinquance. Voilà la proposition de la motion. Après, chacun votera en son âme et conscience. Et je pense que, de toute façon, la population, comme vous le dites très bien, pourra se faire sa propre idée de la question et de l'esprit, en tous les cas, dans lequel on travaille dans ce conseil municipal. Moi, je voudrais aussi rajouter que, en vertu vraiment des pouvoirs de police qui me sont conférés, j'ai la ferme, mais ferme volonté de faire respecter le droit, la loi, croyez-moi, Madame Gravière. Et je voudrais aussi rajouter qu'au niveau de la communication, nous avons communiqué auprès des riverains pour les informer. Donc, ils ont reçu un courrier dans leur boîte aux lettres, et je remercie les personnes qui ont distribué ces courriers, pour justement qu'ils aient les éléments précis, puisqu'effectivement, ils étaient les premiers concernés. Voilà. Donc... Juste une précision, et puis après, on vous demandera une suspension de séance pour qu'on puisse, puisqu'on l'a eu en séance, il faut qu'on en parle. Juste de dire, j'ai bien entendu moi, toutes les explications de chacun, ce qui en gros ne change rien à nos considérants. Hein. Les dates ont été validées. Alors après, on peut s'étonner qu'il y ait eu des longueurs entre ces dates, et vous nous expliquez, c'est le côté législatif qui oblige. Mais je ne vois pas dans les considérants, on dit un procès-verbal du 7, une intervention le 21, vous nous expliquez maintenant pourquoi ça a été si long, dont acte. Mais les considérants ne disent pas qu'il y a une lacune quelconque, si ce n'est qu'on était en méconnaissance de ces délais qui auraient pu être apportés dans ces cas-là, dans une communication bien ciblée à l'explication et dans une réponse des courriers que nous n'avons pas eu. Nous, les élus, on aurait pu avoir copié des courriers adressés à des habitants sur ce type de sujet. Nous ne l'avons pas eu. Nous aurions pu, donc nous avons comme...
Beaucoup étaient à la pêche aux informations. Ce courrier, nous ne l'avons pas eu. Peut-être qu'il y avait des explications dans ce courrier. Je vous encourage dorénavant à nous faire copie des courriers que vous faites aux habitants et non pas que de l'oral sur le marché. Voilà, comme ça, tous les élus seront en connaissance des éléments pour pouvoir siéger un conseil municipal. Et c'est bien un conseil municipal qui s'engage et qui décide. Évidemment, après, c'est la maire qui intervient dans son pouvoir, mais nous sommes bien là pour nous engager. Et on le verra sur les autres délibérations où il est bien dit que le conseil municipal s'engage. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, au-delà des délais, je crois, vous dites que les députés, les médias sociaux n'ont pas été informés ici, puisque eux-mêmes ont alerté sur les réseaux. Ce n'est pas nous qui l'avons fait, c'est ça que je veux dire. Oui, bon, vous voyez, on peut, dans la communication, faire quelques lapsus nous ou des mauvaises interprétations. D'interpellation voilà. Des parlementaires. C'est pas ce qui a été dit. On a dit qu'ils étaient intervenus. Pas à la mairie, qu'ils étaient intervenus. Ils peuvent aussi intervenir à leur libre liberté sur les réseaux comme ils font. Voilà. Preuves, sur les réseaux, si, ça vous les avez. Hein. Je crois que si. Il y a des copies d'écran, on pourra vous les fournir, cela. Il n'y a pas de problème. Voilà. Et après ça, ce que je vous demanderais, c'est une interruption de séance, qu'on puisse nous se réunir, parce qu'on découvre cette délibération. Après les explications, bien sûr. Je suis désolé de vous contredire, M. Guyard, mais quand je vois, considérant que seule, la sollicitation de députés, ils sortent d'où ces députés? Ils sortent de quel chapeau? Et des médias locaux, de quels médias parlez-vous? D'où ça sort? Voilà. Ce n'est pas un problème de dialectique, là. C'est juste que vous avez mis des bêtises, on est bien d'accord. Voilà. C'est du fantasme. C'est du pur fantasme. Aujourd'hui, on n'a pas les éléments qui prouvent. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une suspension de séance afin que voilà, les groupes puissent se poser et ensuite nous soumettrons au vote.
Alors, donc, est-ce que le groupe Agir pour notre ville, vous maintenez votre motion ? Alors, après une petite concertation quand même, qui j'espère n'a pas été trop longue, deux choses. Il est vrai qu'à l'explication qu'on vient d'entendre, certains de nos considérants peuvent sembler forts. Donc on l'admet. Et donc pour cette raison, on retirera la motion en l'état. Voilà, on ne demandera pas de vote dessus. Pour autant, votre motion ne nous semble pas suffisamment ambitieuse. Votre motion manque d'engagement. Donc ce qu'on vous propose, c'est de vous la retirer aussi et qu'ensemble, on s'engage à travailler sur une motion à présenter au prochain Conseil. Si ce n'est pas le cas, on votera quand même cette motion, mais on rappelle pour nous qu'on ne peut pas se satisfaire de demandes, de félicitations, d'encouragements ou d'invitations. On souhaiterait qu'il y ait beaucoup plus d'engagement pour dénoncer les faits qui ont été assez graves et dont on pourrait être solidaires ensemble sur vraiment une cause qui nuit à tout le monde. Voilà notre proposition. Maintenant, je vous rends la parole. Merci, M. Guyard. Alors, M. Valcaire, pour le groupe Ensemble. Oui, écoutez, si effectivement vous êtes dans l'état d'esprit de sortir d'un fait aussi important que soit-il, pour pouvoir se positionner sur l'ensemble de la problématique, oui. Mais ça veut dire qu'effectivement, on arrête de pointer un élément. Il y a aujourd'hui des cas aussi, voire plus graves encore que ça. Voilà. Et si derrière, on a une position politique commune, unanime, nous, on est tout à fait prêts à pouvoir travailler ensemble une motion. Donc, personnellement, au nom du groupe, et si mes collègues sont d'accord, on est tout à fait d'accord, non pas pour la retirer, nous, mais par contre pour la reporter. Alors, est-ce que les collègues du groupe Ensemble sont tous d'accord pour la proposition ? Tout le monde ? Oui, alors, Madame Katouchak-Rifik, je laisse la parole. Effectivement, on est d'accord, si pour retirer, pas de souci, donc aucun problème. Parfait. Donc, tous les groupes politiques sont d'accord. Oui. Et donc, j'invite les présidents de groupe pour se retrouver afin, effectivement, de repartir de la motion, de la faire évoluer dans le bon sens pour qu'elle soit votée en conseil municipal. Oui. Il serait peut-être agréable aussi d'associer avec les chefs de groupe, s'ils se doivent se réunir, peut-être de mettre des gens un petit peu, j'allais dire, en connaissance de l'urbanisme. On ne peut pas les laisser faire. Bon, il y en a au moins un, il n'y a pas de problème, mais pour Katoussia, moi, je me propose de l'accompagner. Je ne suis pas sûr qu'elle connaît l'urbanisme. D'accord. Donc, on peut considérer peut-être pour équilibrer deux par groupe. Et vous voyez, on équilibre même. Vous voyez, on n'est pas à l'équilibre, hein, puisque c'est plus que démocratique, là, ce que je vous propose, mais qu'on ait deux personnes par groupe qui puissent se réunir pour les trois groupes politiques. Ça vous convient tous ? Okay. Voilà, alors on fait comme ça. Alors, je devais normalement vous proposer l'adoption du procès-verbal en amont. Alors, ça ne vous posera pas de soucis, parce que je vais commencer par l'émotion. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance du 14 décembre 2021. Est-ce qu'il y a des remarques ? Remarques habituelles, où on n'y retourne pas forcément à la tenue de nos propos, on ne va pas détailler, mais ne serait-ce que sur au sujet des interventions sur les dotations PNR, hein, c'est reconfirmé, on a redonné des exemples, seul l'exemple de Mme Anne-Gravier est pris au minima, il y en avait plein d'autres à côté qui n'ont pas été repris dans le PV, donc pour ces raisons, on votera contre ce PV. Il n'y a pas que ça, hein, je pourrais en mettre d'autres, mais... D'autres remarques ? Donc, je vous propose de soumettre au vote. Qui vote contre ? Donc 5 votes contre. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Monsieur Petitbon, vous leviez toujours la main, là. Non, j'ai voté contre. D'accord, vous m'avez perturbé, là. Qui vote pour ? Très bien, je vous remercie. Lionel ? Oui, une intervention. Quand je vois Monsieur Petitbon, secrétaire de séance pendant quasiment 5-6 ans, aujourd'hui, reprocher qu'il manque quelques mots, quelques phrases, là où des expressions totales et entières ont été censurées pendant tout un mandat, excusez-moi, ça me fait sourire. Donc moi, ce que je vous suggère quand même pour la suite, et c'est ce qu'on faisait, c'est que si à un moment donné, il y a des phrases qui ont été dites, qui manquent dans le compte-rendu, on vous invite à ce moment-là de nous faire des propositions de complément, sans être sur une position, on est contre parce qu'il manquait un verbe et autre. Vous nous faites, et on votera à ce moment-là, comme ça se fait partout, les modifications
qui seront proposées. Nous, on le fera voter. On ne les rejettera pas comme ça a pu se faire et comme on l'a connu pendant des années. Voilà. Donc, la prochaine fois, si votre vote peut avoir un sens, il doit être accompagné de propositions, sous peine de quoi vous êtes sur une posture de rejet qui, effectivement, ne fait pas avancer les choses. Alors. Pas aller très loin. Juste de dire à M. Walker que je vois au moins que pendant 6 ans, il a écouté les phrases que j'ai exactement dites de la même manière, ce qui n'a pas empêché un vote contre à chaque fois. Monsieur Guyard, merci. Donc maintenant, nous poursuivons avec les rendus des décisions du maire. Donc je vais vous faire une lecture donc, concernant les marchés publics de fourniture et de services. Donc, avenant 1 au marché relatif aux prestations de nettoyage des bâtiments municipaux, lot 3 nettoyage des salles de sport et autres locaux, ça c'était le 16 décembre 2021. Avenant de prolongation du marché relatif à la fourniture et réparation de prothèses dentaires le 16 décembre 2021. Avenant de prolongation du marché relatif à l'achat de fournitures scolaires et matériel pédagogique le 16 décembre 2021. Avenant de prolongation du marché relatif à la fourniture et réparation de prothèses dentaires le 20 décembre 2021. Réutilisation et réhabilitation d'espaces tétamantis avec création de locaux et mise en conformité le 17 décembre 2021. Avenant 1 au marché relatif à l'entretien des espaces verts de la ville, 25 janvier 2022. Avenant 1 au marché relatif au service d'assurance pour le groupement de commandes entre la commune et le CCAS, lot 4, protection juridique, 25 janvier 2022. Conclusion du marché relatif à l'accompagnement pour la modification simplifiée du PLU de la ville, 4 février 2022. Conclusion du marché d'achat de fournitures scolaires et de matériel pédagogique, le 9 février 2022. Et conclusion du marché de fourniture de réparation de prothèses dentaires, le 9 février 2022. Contrat. Conclusion d'un contrat de location d'un traceur, 5 novembre 2021. Contrat de cession d'un spectacle pour la saison culturelle Les 26 couleurs, le 15 décembre 2021. Conclusion d'un contrat de location de services de transport de Fluvoie, Data, Monétique et de maintenance, le 16 décembre 2021. Contrat de prestation supervision, l'AEP, 3 janvier 2022. Contrat de service maintenance avec la société Portalp, le 7 janvier 2022. Contrat de service maintenance et dépannage avec la société Cardex, 10 janvier 2022. Conclusion du contrat de maintenance préventive du sèche-linge de la Maison de la Petite Enfance, 17 janvier 2022. Contrat de service de maintenance avec la société Envolia, le 23 janvier 2022. Contrat de service maintenance avec la société Assière, le 31 janvier 2022. Contrat de service maintenance avec la société WH, le 31 janvier 2022. Et contrat de service maintenance avec la société MidiClean, le 4 février 2022. Concernant les conventions d'occupation temporaire. La salle Jeannine Deneuve, le 10 décembre 2021. Le clubhouse de la base de loisirs pour les dates suivantes, 2 décembre, 7 décembre, 15 décembre 2021, 18 janvier 2022 et 28 janvier 2022. Pour la salle Ginette Rivière, 19 novembre 2021, 13 décembre 2021, 15 décembre 2021, 20 décembre 2021, 22 décembre 2021. 4 janvier 2022, 7 janvier 2022 et 21 janvier 2022. Pour la salle Henri Chaudet, le 21 décembre 2021, le 7 janvier 2022, le 12 janvier 2022 et le 18 janvier 2022. La salle Maison de la Petite Enfance, 24 janvier 2022. Pour les conventions, convention d'occupation, maison de type 4, 18 rue de Jonville, le 7 janvier 2022. Convention d'occupation, logement communal d'urgence sociale de type F3, 79 avenue de Fontainebleau, le 20 décembre 2021. Et enfin, la convention d'intervention d'une enseignante de théâtre de la SI Le Point du Jour dans une classe à la Fondation Poix d'Ars, c'était le 21 janvier 2022. Et pour les finances, réalisation d'un emprunt, budget ville 2021, le 30 novembre 2021. Voilà. Oui, Madame Gravier. Juste pour vous faire part de la difficulté de suivre en fait le déroulé des décisions du maire là, que vous venez de lister, n'est-il pas possible qu'elle soit jointe au, je ne sais pas, au PV ou à l'ordre du jour, du conseil municipal? Parce que j'ai cru entendre, mais je n'en suis pas certaine du coup, une décision relative à une modification simplifiée du PLU. Est-ce que vous pouvez nous... Enfin, j'ai peut-être mal entendu, hein. Je n'ai pas du tout parlé de ça. Si, attendez, j'ai un doute. Parler de dans les contrats, je reviens. Je sais pas. Sur les marchés publics, pardon. Non, sur les marchés publics, oui. J'ai entendu modification simplifiée du PLU. Oui,
Donc, si tel est le cas, La conclusion du marché relatif un peu à l'accompagnement plus. Pour la modification simplifiée du PLU. Voilà. Donc, est-ce qu'on peut en connaître l'objet ? Donc, c'est certain. Je vais donner la parole à Alexandrine. C'est dommage que ça ne soit relaté que, enfin, parce qu'on n'a vu aucune délibération sur le sujet, à moins que ça nous ait échappé, peut-être. Alors, je vous donne la parole, Alexandrine. Donc c'est une procédure qui n'a pas de délibération préalable. C'est une demande du PNR de réparer une erreur matérielle sur le PLU. Donc le PNR nous a écrit demandant d'enlever un bout d'espace boisé classé qui n'a pas lieu d'être, qui n'a jamais existé. Et donc c'est un courrier. Donc c'est la modification simplifiée est un simple arrêté après modification des documents. Et elle est faite sur demande du PNR. Je peux encore ? Allez-y, madame. Oui, mais j'imagine qu'il y a un propriétaire à cet espace boisé classé. Ne serait-il pas utile que cette information soit un minimum diffusée ? Parce que c'est quand même le PLU, c'est un... oui. Elle fera l'objet d'une délibération en fin de procédure. Ah. Là, pour l'heure, si vous voulez, c'est une demande du PNR sur un espace agricole et à la demande du propriétaire. Et c'est où ? Ah oui, alors c'est différent en plus. Donc c'est un déclassement d'un espace boisé classé à la demande d'un propriétaire. Oui, mais enfin quand même. Donc on peut savoir où c'est ? On peut savoir où c'est ? La parole à Jean. Bonsoir, monsieur Morlaix. Jean. C'est sur la ferme nourricière que l'on met en place à Saint-Fargeau. En fait, il y a un espace qui n'a jamais été boisé. On a des photos qui datent des années 30 où il y a jamais eu de bois, et en fait c'est certainement une erreur graphique qui dure depuis un bon bout de temps, et en tout cas ça c'est simplement pour la remettre en espace agricole normal, quoi. Vous ne me demandez pas la parole, pardon. Merci. Écoutez, j'avoue que je suis complètement abasourdie. On va certainement empiéter sur mon intervention de la délibération numéro 14. Mais vous savez, on a quand même eu deux révisions du PLU quand même sur notre mandat. Deux révisions. Deux fois des travaux très étroits avec le PNR. Très, très étroits. Et ils nous ont fait modifier des parcelles ou même avec la Chambre d'agriculture. Il est vraiment extrêmement surprenant que le PNR se soit réveillé tout d'un coup pour le déclassement d'un espace boisé classé, soi-disant qu'il n'existe pas, au moment où on a, vous avez, vous, porté pour des intérêts privés un projet de ferme, entre guillemets, nourricière. C'est vraiment très, très, comment dire, interpellant. Mais on va creuser tout ça, hein, y a pas de problème. Mais c'est vraiment... c'est gros, quoi, franchement. C'est gros, monsieur Morlaix. Excusez-moi, mais c'est vraiment gros. Quand on sait que déjà, vous créez un accès en zone agricole, vous créez un accès carrossable dans un espace agricole interdit au PLU, qu'en plus, vous ne donnez aucun détail sur le projet en lui-même. Mais enfin, les ferropontins, mais vous les prenez pour quoi exactement ? Nous, passons. Mais les ferropontins, Madame Gravière, c'est absolument incroyable. Non, mais c'est vrai que ça me choque. Il y a une délibération qui... On en parlera à la délibération. Quand, voilà. Donc, on n'empiète pas sur le sujet qui viendra par la suite. Je poursuis donc avec donc, tout ce qui est suivi d'EIA. Donc, voilà, je vous laisse à disposition si besoin, bien c'est sûr. Oui, d'EIA. Alors, nous. Comment ? Alors, est-ce qu'on pourrait avoir. Je n'ai pas quoi. Délibération numéro. Délibération, dimension. Quoi ? Est-ce
que la question était, est-ce que nous pourrions avoir dans l'ordre du jour, voilà, la liste des arrêtés pris pour qu'on puisse en avoir connaissance avant, pour éviter ce genre d'interprétation. Voilà, c'est une question. C'était la question d'Alain Gravière avant de partir dans l'explication qu'on a eue, mais voilà, donc qui était très très intéressante. On y reviendra tout à l'heure, mais la première question était, est-ce que nous pouvons avoir dans l'ordre du jour. Voilà. Merci. Donc, je verrai effectivement avec l'administration pour voir si la possibilité de transmettre effectivement les informations. Alors, je poursuis délibération numéro 1. Nous avons 14 délibérations, comme je vous le disais. Donc, délibération numéro 1, il s'agit de la modification de la composition du conseil municipal. Considérant la délibération numéro 2021-113, qui n'était pas réglementaire, puisque M. Mjati n'avait pas adressé à M. le préfet sa demande de démission dans les formes légales en tant qu'adjoint au maire, il convient donc de procéder à nouveau à l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Il est proposé au conseil municipal que l'adjoint à élire occupe le même rang que l'élu occupait jusqu'à présent. Voilà, est-ce qu'il y a des questions ? S'il n'y a pas de questions, je vous propose de soumettre au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Avec les pouvoirs, hein, quand vous votez. Merci. Hop. Élection d'un adjoint au maire. Donc là, suite au courrier du préfet, donc en date du 20 janvier dernier, qui a été relatif à la délibération 2021-114 portant sur l'élection d'un adjoint au maire, il a été enregistré la démission de M. Mjati en date du 31 janvier 2022 et de M. Morlaix en date du 23 janvier 2022. Donc, suite à la requête de M. le préfet, il a également été demandé à M. Morlaix de démissionner de son poste d'adjoint au maire suite à son élection du 15 décembre 2021. Cette démission a été acceptée par courrier de M. le préfet le 4 février 2022. Il convient donc de procéder à nouveau à l'élection d'un nouvel adjoint au maire. Et il appartient bien sûr donc au conseil municipal de procéder à l'élection, au vote, à bulletin secret, à l'élection d'un adjoint. Et je propose bien sûr M. Jean Morlaix. Voilà. M. Guyard. Juste que je comprenne bien, parce qu'on a bien lu cette délibération, l'enregistrement de la démission de M. Mjati, etc. Mais la requête du préfet pour demander à M. Morlaix de démissionner d'un poste d'adjoint qu'il ne reconnaît pas. Bah oui, c'est logique. Puisque M. Mjati, oui. Il a démissionné, sa démission n'était pas effective. Donc puisque sa démission n'était pas effective, l'élection de M. Morlaix ne pouvait pas l'être par conséquent. On est d'accord. Donc c'est de la logique. Donc on ne peut pas demander à quelqu'un de démissionner d'un poste qui, on admet, qu'il n'était pas... Sauf que pour... Puisqu'il a quand même été installé en conseil municipal, M. le préfet demandé... Bah oui, puisqu'il avait été installé au conseil municipal, M. le préfet a demandé à M. Morlaix de démissionner. Voilà. Ce qui est tout à fait logique. Comme ça, on remet tout à zéro, les compteurs à zéro. Oui. Ensuite, nous, la demande d'accord. De M. le préfet. Oui, non, mais c'était à titre d'indication. Alors, je propose comme scrutateur Yannick Fraud et Michel Rigas. Parfait. Je vous remercie. Donc, on vous transmet les petites enveloppes. Il faudrait, pour les conseillers qui ont les adjoints des pouvoirs, il faudrait deux enveloppes et deux bulletins, s'il vous plaît, Christian. Pour Marie-Joseph, qui d'autre n'a pas ? Nicole Lelièvre, Mathieu Guillou. Mathieu a besoin d'une deuxième enveloppe, s'il vous plaît, Jean-Daniel, je vous remercie. C'est toujours pas Marie ? Et Marie a besoin d'une enveloppe aussi.
merci aux scrutateurs qui vont donc passer. Et vous allez pouvoir déposer. Alors, je vais donc vous appeler. Alors, on est parti comme vous voulez. Commencez par... Alors, on commence par Albert. On y va. Donc, Albert Van de Boer. À voter. Alberto da Rocha. À voter. Mathieu Guillou. À voter pour une première fois. Et Mathieu Guillou vote maintenant pour son pouvoir. À voter. Merci. Julien Genassia. À voter. Mélissa Pagès, à voter. Jennifer Lamotte, à voter. Alexandrine Farry, à voter. Carole Nadal, à voter. Marie-Laurence Liop, à voter. Katoucia Griffith, à voter. Patrick Hahn, à voter. Laura Caetano, merci. Pas de Laura. À voter. Marie-Joseph, à voter. Marie-Joseph avec son pouvoir. À voter. Lionel Valcaire. À voter. Séverine Fix-Boron, merci. À voter. Jackie Pouillon. À voter. Thierry Liron. À voter. Nicole Lelièvre. À voter. Nicole Lelièvre, à nouveau. À voter. Son pouvoir. Jean Morlaix. À voter. Et Jean Morlaix, une deuxième fois, pour son pouvoir. À voter. Ersine Delicaya. À voter. Anne Gravière. À voter. Jérôme Guyard. À voter. Denis Saadia. À voter. Et Monsieur Petitbon. À voter. Puis Françoise Benamou. À voter. Djibril Souma. À voter. Émilie Lelièvre. À voter. Yannick Fraud. À voter. Et Michel Rigas. À voter. Très bien, je vous remercie. Donc, on va procéder au dépouillement. Trois enveloppes. Parfait. Oui, allez-y. Peut-être un micro pour annoncer et qu'on puisse cocher. Jean Morlaix. Non. Non. Nul. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix.
Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Blanc. Blanc. Jean Morlaix. Blanc. 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 Jean Morlaix. Jean Morlaix. Blanc. Jean Morlaix. Blanc. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Monsieur Jean Morlaix. Jean Morlaix. Blanc. Blanc. Jean Morlaix. Jean Morlaix. Et blanc sur la dernière enveloppe. Alors, si vous pouvez annoncer le nombre de blancs. De suffrages exprimés pour Monsieur Morlaix. Un nul. 10 blancs. Très bien. Donc Monsieur Jean Morlaix est élu adjoint au maire et je vous invite à l'applaudir pour le féliciter. Et merci aux scrutateurs. Alors je vais lui remettre publiquement l'écharpe d'adjoint au maire. Merci. Désolée, c'est toi qui viens à moi, je ne veux pas venir à toi. Alors, délibération numéro 3. Il s'agit du débat sur les garanties de protection sociale complémentaire. Donc ça, c'est un débat obligatoire que nous devons avoir en conseil municipal. Je rappelle la loi du 6 août 2019 qui impose aux employeurs publics, à l'instar du secteur privé, de participer au financement d'une partie des garanties de la protection sociale complémentaire, qu'on appelle le PCS, de leur agent, quel que soit leur statut. Ainsi, tous les employeurs publics doivent participer au financement des garanties de PSC, souscrite bien sûr par les agents. Ce qui, en fait, on parle de la complémentaire santé, accident et prévoyance. Ensuite, si une convention de participation est en cours à ces dates, les obligations posées par l'ordonnance débuteront bien sûr qu'à la fin de la convention de participation initialement en place.
L'ordonnance ensuite introduit une obligation pour les centres de gestion de conclure ces conventions de participation et les collectivités auront la possibilité d'y adhérer. Ensuite, on explique tous les mécanismes de contractualisation. On peut avoir des contrats collectifs à adhésion obligatoire des agents publics, contrats collectifs à adhésion facultatif. Il s'agit de conventions de participation. On vous a précisé que l'ordonnance introduit l'obligation, enfin, l'organisation obligatoire au sein de chaque assemblée délibérante d'un débat portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale complémentaire. Les enjeux de la prise en charge, hein, c'est les préventions des risques au travail pour limiter la précarité financière, consécutive souvent à des raisons de santé, attractivité de la collectivité en tant qu'employeur, et puis participation au dialogue social, contribution à la motivation des agents et participation à l'action et à la protection sociale. Le financement, il faut savoir qu'aujourd'hui, notre commune compte à peu près 340 agents. Donc, si tous les agents adhèrent à cette proposition, pour la prévoyance, c'est un coût de 1836 euros par an dès 2025. Et pour la santé, c'est 5100 euros par an dès 2026. Ensuite, on vous explique que le contrat individuel du label pour la complémentaire, donc prise en charge de 10 euros par contrat individuel au nom de l'agent et 15 euros par contrat familial. Voilà. On vous donne également le calendrier avec, je ne sais pas si ça défile sur le... On vous présente là. La mise en place, donc, c'est de la santé, pour la santé, pour la prévoyance, avec les préparations, les délibérations. Enfin, voilà, tout le rétro-planning vous est donné pour la mise en place de... je m'entends, là. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions ? Donc, sachant qu'il s'agit de vous présenter... d'avoir un... Comment ? Oui, il y a un petit décalage, on est en direct. Alors, est-ce qu'il y a des questions concernant ce débat qui, encore une fois, bien sûr, doit avoir lieu, et sachant que, voilà, pour mettre en œuvre la loi. Des questions ? Donc, s'il n'y a pas de questions... Oui, ben, je ne vous ai pas vu. Une remarque, je pense que dans le financement, on est sur 1836 euros par mois et non pas par an, ce qui multiplie par 12 le coût, mais je pense, parce que derrière, on dit bien que la prévoyance, c'est 540 par mois et la complémentaire, 15 euros par mois. Oui, bien sûr. Donc voilà, on multiplie les chiffres par 12. C'est plus élevé, on votera pour, hein, mais ça fait moins bénéficiaire pour la ville. Il y a une erreur dans la note, effectivement. Gros, le montant prévisionnel, c'est bien 5,40 euros par mois pour la prévoyance et 15 euros par mois pour la complémentaire santé. Donc il y a une petite erreur dans la rubrique financement. D'accord. Voilà. Donc voilà, il s'agit de prendre acte de la tenue de ce débat sur la protection sociale complémentaire. Donc on prend acte. Nous poursuivons avec la délibération numéro 4. Alberto Darrocha va nous présenter la convention de mise à disposition d'un terrain de grand jeu éclairé en gazon synthétique et des équipements y attenant. Bonsoir à tous. Cette délibération s'inscrit dans une délibération de décembre 2019 et dans la continuité d'un partenariat avec les organes déconcentrés de la Fédération française de football. Nous allons bénéficier d'une subvention de 48 000 euros pour la mise en place d'un terrain synthétique. Il manque une pièce à cette subvention. C'est un partenariat autorisant Madame la maire, une convention autorisant la Madame la maire à mettre à disposition ce terrain de jeu éclairé et de gazon synthétique pour la Ligue de football d'Île-de-France, de Paris-Île-de-France et du district de Seine-et-Marne. Merci Alberto. Est-ce qu'il y a des questions, Monsieur Guyard? Oui, une question sur ces gazos synthétiques dont j'ai beaucoup entendu parler à une époque et dont on m'assurait le côté très dangereux de la texture de ce gazon. Donc avant de voter cette convention de mise à disposition, je voulais savoir si la collectivité, donc si vous aviez fait une étude de ces gazons synthétiques et si vous pouvez nous assurer aujourd'hui qu'il n'y a évidemment aucune dangerosité pour nos jeunes avant de signer cette convention. Où, voilà, c'était, j'ai cru comprendre, il fut un temps, c'était tellement dangereux qu'il fallait l'enlever tout de suite. Donc, est-ce que les études ont été faites ? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de problème sur ces gazons synthétiques ? Merci. Alberto.
suis pas compétent sur la dangerosité et la nocivité de ces terrains-là. Effectivement, il y avait des réflexions portées et des inquiétudes portées sur le produit et les perturbateurs endocriniens qui en résultaient. À ce jour, il n'y a pas d'études sur ce terrain, donc je peux pas vous donner plus d'informations, si ce n'est que ce sujet aujourd'hui, c'est la convention, la subvention et la convention qui est attenante. On rappelle aussi le coût important hein, que coûte pour la collectivité ce terrain synthétique. Alors, j'ai cru comprendre, mais je voudrais bien. Donc, on engage une convention sans étude préalable de la dangerosité du produit. Oui. C'est bien ça. Il n'y a pas eu d'études, quoi. Puisqu'il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été dits sur ces terrains. Donc je voudrais savoir aujourd'hui si on s'engage dans une convention sans que ces études... Parce que nous, à l'époque, on n'était peut-être pas au courant, mais maintenant que chacun est initié dans les risques de ces problèmes, je demande si, en connaissance de cause, étant maintenant des sachants et responsabilités, des études ont été faites avant de signer cette convention. J'avoue ne pas trop comprendre ce questionnement à l'instant T. C'est-à-dire que le terrain, il a aujourd'hui 2 ans. Je pense que vous n'allez pas me demander à moi ce que vous n'avez pas fait, vous. Enfin, je m'en inquiète. Non. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est soit vous mettez en place un sujet, un projet jusqu'au bout, mais ne laissez pas les autres se saisir de vos erreurs ou de vous louper. C'est à vous de le dire, mais ça aurait été intéressant que vous le disiez dès le début, pas maintenant. Je te redonne la parole. Vous me faites porter des propos qui ne sont pas les miens. Enfin, j'étais pas là il y a 2 ans quand vous avez signé ce projet. Je ne sais pas. Enfin, à un moment donné, me faites pas tenir des propos que je n'ai pas tenus. C'est-à-dire que s'il faut par contre faire une étude sur la dangerosité de ce terrain, allons-y, banco. On passe à autre chose, je pense que la question, voilà. C'est évident qu'en tout cas, notre objectif en tant que gestionnaire, monsieur Guyard, c'est de s'assurer que ce qu'on met en œuvre, voilà, à la fois respecte la loi, les questions sanitaires. Donc, croyez-nous qu'on sera très vigilant par rapport à toutes ces questions-là. Alors, je soumets au vote cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Et qui vote pour? Donc, à l'unanimité, je vous remercie. Délibération numéro 5, tarif port de plaisance, année 2022, Lionel Valcart. Oui, bah écoutez, simplement, on reproduit les tarifs 2021. Voilà, vous avez le détail, je ne vais pas tout lire. Je voudrais simplement donner deux informations, enfin une information surtout, le comparatif entre 2019 et 2021. En 2019, il y avait 66 contrats pour une recette de 45 645 €. Et en 2021, on a 94 contrats pour 53 141. Voilà. Et sans faire aucun effort pour l'instant, puisque notre directeur a été recruté tout récemment, hein, c'était à l'été dernier. Donc voilà, on s'aperçoit simplement qu'on a une augmentation de 42% de contrats depuis notre présence. Que chacun en tire les éléments que chacun souhaite en faire. Moi, je n'ai pas de conclusion. Je vous donne des éléments. Oui, sans doute, oui. Voilà. Ouais, mais c'est bon que cette information soit connue de tout le monde. Alors, on se met au vote. Vous n'avez pas compris, monsieur Pierre? Attendez, je vous donne la parole. Je n'ai pas compris. J'ai pas compris, les tarifs n'ont pas changé. On nous annonce une occupation de 42% en plus et donc une redevance qui est quelque de combien de pourcents en plus? Je n'ai pas suivi, là. On est passé de 43 bateaux à 81 et une redevance. Vous avez été vite, donc...
Est-ce que ça suit, puisque les tarifs n'ont pas changé, donc ça devrait suivre, on devrait avoir 42% de redevances en plus, s'il y a 42% de bateaux en plus. Donc je vais tout doucement vous donner les chiffres. Attends que je te donne la parole. Parce que... C'est bon, ça marche. En 2019, il y avait 66 contrats qui ont rapporté 45 645 euros. En 2021, nous avions 94 contrats. Donc 66 et 94, ça vous donne une hausse de 42% pour une recette de 53 141 euros. Voilà. Vous voulez que je recommence ? Je vais trop vite ? De 45 000 à 53 000, ça ne fait pas plus 43%. Le nombre de contrats a augmenté de 42%. Voilà. Donc les recettes sont augmentées de 16%. Voilà. Moi, j'ai les mêmes questions et je vous renvoie sans doute à une note de l'ancienne directrice qui s'occupait de la base de loisirs sur des recettes qui ne rentraient pas. Que vous avez, qu'on a, qu'on peut mettre à votre disposition, qui vous était destiné. Et on peut se féliciter maintenant que les recettes rentrent. Voilà. Je vous donne une information. Ce qui est bien peut-être, c'est qu'on respecte le droit de parole. On n'est plus à l'ère du mandat précédent. Maintenant, on donne la parole à ceux qui, effectivement, la demandent. Encore faut-il qu'ils se conduisent en la demandant, ce qui se fait dans tout conseil municipal. Donc, alors, moi, simplement, je voudrais dire que le vote, il se fait là-dessus. J'ai simplement donné une information qui vient d'arriver, puisqu'on est sur les budgets, etc. Hein. Actuellement, on prépare les... On finit la... Donc, je donnais cette information. Moi, ce que je vous suggère, peut-être, c'est que ça ne soit pas l'objet du débat de ce soir, mais que je vous propose qu'on explicite tout ça au moment voulu. Voilà. Mais je suis là pour réguler le conseil municipal, monsieur Bouillard, croyez-moi. Donc, vous voulez la parole, c'est bien ça ? Je vous en prie. Parce que devant des chiffres comme ça, là, il y a une interrogation quand même. 42% de redevance en plus, avec une recette de 16%, il y a donc de contrats, plus une redevance qui est moindre. Ce n'est pas des petits bateaux, où il y en a qui ne payent pas. Moi, je ne peux pas me contenter de la réponse. C'est quoi ? Oui, il n'y a pas de rapport avec une directrice qu'on aurait oublié de faire payer. Je ne sais pas d'où on en vient. Vous comprenez que le ratio plus 42% et on n'a que 16% de recettes, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est une question logique pour un conseiller municipal. C'est quoi le problème ? Voilà, c'est tout. C'est une question tout simple. On va vous répondre à la question simple Merci. Que vous nous posez, monsieur Gare. Moi, je crois que... Puisque vous souhaitez avoir toute la réalité de ce qui se passait sur cette base, je vous propose d'en faire un élément avec tous les chiffres et tous les éléments bien précis. Et à ce moment-là, vous aurez toutes les explications que moi, je suis venu simplement avec des chiffres bruts. Ce qu'on peut satisfaire simplement, c'est qu'il y ait plus de contrats, voilà, qu'il y ait plus de recettes, voilà, et sans qu'on ait rien fait pour ça. C'est tout ce que je veux dire. Et je crois que le reste, par contre, on vous donnera tous les éléments d'explication puisque vous les demandez. Et notre volonté avec un directeur de la base de loisirs donc, qui a été nommé, c'est de remettre tout à plat parce qu'il y avait vraiment besoin, notamment sur cette base de loisirs. Alors, je propose de tout mettre, donc de mettre cette délibération au vote. Donc, après en avoir délibéré et fixé donc, les tarifs du port de plaisance, comme indiqué ci-dessous, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 6. Convention festival L'Enfant et le 7e art. C'est Marie-Joseph qui présente. Bonsoir. Il s'agit de la reconduction de la convention festival L'Enfant et le 7e art. Donc, il y a pour vocation de proposer des actions éducatives pour élargir le regard de l'enfant, l'initier à l'image et développer son esprit critique.
Depuis plus de 20 ans, elle organise le festival, notamment en Seine-et-Marne, pour donner aux jeunes spectateurs le goût du cinéma vivant, créatif, parfois exigeant, souvent différent, les invitant aussi à s'ouvrir sur le monde, ses cultures et ses différences. La commune de Saint-Forge-aux-Pontiéry soutient cette démarche depuis sa création. Le festival se déroulera donc sur Saint-Forge-aux-Pontiéry les mardis 17 mai, jeudi 19 mai et vendredi 20 mai, avec la diffusion de films dans la salle Catherine Deneuve à l'espace culturel des 26 couleurs. Donc on vous demande de renouveler la convention Festival L'Enfant et le 7e art. Merci Marie. Des questions ? Alors, au vote, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Qui vote pour ? Merci. Délibération numéro 7, Nicole Leliève qui va nous présenter la charte d'installation des conseils de hameau. J'insiste sur le terme installation. Nicole. Bonsoir. Cette délibération a pour objet d'adopter la charte d'installation qui permettra la mise en route officielle des conseils de hameau. Cette charte vise à permettre une structuration initiale afin de favoriser le fonctionnement de ces conseils. Le renforcement du lien à l'habitant est une priorité pour la municipalité. C'est la raison pour laquelle le service démocratie participative a été créé, ce qui a permis, dans un contexte sanitaire difficile, de mettre en œuvre dès l'année 2021 plusieurs actions et animations, à savoir la mise en place des permanences du marché, en complémentarité avec les permanences du maire, la mise en place des diagnostics de proximité, la mise en place d'un questionnaire préalable à la relance des conseils de hameau, la reprise de l'animation et l'encadrement des activités du conseil municipal des enfants, la réunion de relance des conseils, l'organisation de ces premiers conseils en octobre, l'organisation et le soutien au conseil à l'occasion de la fête du Beaujolais et des animations de fin d'année avec la contribution des bénévoles. La présente charte vise à définir des champs d'intervention et les modes de fonctionnement de ces conseils, ainsi que leurs relations avec le conseil municipal et les services municipaux. Elle s'applique de la même manière aux 6 conseils de la commune, le conseil des Bordes, le conseil de Jonville, le conseil de Moulignan-Auxonnette, le conseil de Pontiéry-Seine, le conseil de Saint-Fargeau et le conseil de Tilly. Cette charte d'installation, se voulant être un tronc commun, a pu être discutée et enrichie par les habitants présents au premier conseil afin qu'elle corresponde à la réalité du territoire de la commune ainsi qu'aux attentes de la population. Une charte définitive vous sera proposée pour adoption d'ici quelques mois, après avoir été validé préalablement par l'ensemble des conseils. Pour terminer cette note de synthèse, comme vous avez pu le lire en préambule, la municipalité a placé au cœur de son projet les solidarités, la proximité avec les habitants, la lutte contre l'exclusion et les inégalités sociales et culturelles, l'apprentissage de la citoyenneté et l'implication des habitants dans une démarche de transition écologique. Merci Nicole. Alors, est-ce qu'il y a des questions par rapport à donc, l'adoption de cette charte d'installation des conseils de hameau ? Oui, Kate Foutsiagrifi. Bonsoir. J'avais des questions en fait, parce que j'ai pris connaissance de la charte. Il y aurait peut-être des choses à améliorer ou à ajouter. Notamment, à ajouter un paragraphe, le déroulement et conditions des élections. En fait, je pense qu'il faudrait préciser la date prévue en fait, des élections, le lieu, la date butoir des réceptions des candidatures, la possibilité des administrés de voter peut-être par correspondance, et peut-être leur adresser en fait, une information par courrier, pour informer par courrier du déroulement de cette élection. J'avais noté également que dans l'article 1, sauf erreur de ma part, il manque l'annexe qui n'est pas jointe, qui délimite en fait les 6 conseils. Pour terminer, composition du conseil, donc dans l'article 3,
Peut-être préciser que avoir 16 ans, c'est bien, mais peut-être avoir l'autorisation parentale. Parce que vous mettez au minimum 16 ans. Mais bon, ils ne sont pas majeurs, donc au moins l'autorisation parentale. Notamment les agents. Alors, est-ce qu'il est possible de rajouter également ne pas mettre les agents de la collectivité locale en fait dans ce conseil, dans la composition du conseil, parce que ils sont tenus quand même à un devoir de réserve, peut-être. Qu'en pensez-vous? Et puis également les élus. Parce qu'il faut rester impartial, donc ne pas être élu au conseil municipal à l'exemption des membres de droit. Merci. On note en même temps, parce qu'il y a beaucoup de choses hein. Oui. Intéressantes. La durée du mandat des comités, peut-être le préciser. Alors, est-ce que c'est pour 3 ans ou est-ce que c'est pour toute la durée du mandat de la municipalité, la majorité? Et aussi, dernier point, et après j'ai terminé, les moyens financiers, en fait. Est-ce que vous avez budgété les moyens financiers de fonctionnement annuels pour les conseils? C'est terminé. Merci. Alors, Nicole, je vais te laisser prendre la parole, on complétera ensemble. Oui, il y a dans vos propositions, moi ce que je vous invite, c'est à les mettre par écrit et à nous les transmettre de façon à ce qu'on puisse justement y réfléchir, les intégrer. Cette charte, une fois présentée en conseil municipal et adoptée, sachant qu'elle est, c'est un projet d'installation, c'est pour nous permettre de commencer à fonctionner et d'avoir des référents, sera ensuite donc présentée dans les conseils de hameaux qui vont se tenir tout de suite après les vacances, les prochaines vacances scolaires. Et donc, elle sera justement ouverte aux remarques, comme vous venez de le faire, avec des propositions et des questionnements. Elle sera ouverte aux remarques des habitants. Bien évidemment, par rapport à la présence des jeunes de 16 ans, ce sera bien sûr avec autorisation parentale. Ne pas mettre les agents de la collectivité, bien entendu, ils ne participeront pas au vote, mais par contre, ils nous sont tout le service démocratie participative pour mener cette politique que l'on remercie de chaleureusement. Sera, et bien évidemment, très importante leur participation, leur expertise, puisque ces conseils ils s'appuient sur justement l'expertise des élus, de la technicité des services et du regard des habitants. Et c'est ces regards croisés qui peuvent nous permettre d'améliorer le service public rendu aux habitants. Alors, je crois que je n'ai pas noté, ça a été très vite, la totalité de vos questions, mais si vous nous les transmettez par écrit, on pourra les... Je pourrais vous les transmettre, effectivement, elles sont écrites. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous, Madame Griffith. Donc, effectivement, il y a une vraie volonté, hein, c'est pour ça qu'on insiste sur le mot charte d'installation, de faire évoluer collectivement et de manière participative cette charte. L'objet, c'est effectivement qu'elle corresponde vraiment à la façon dont on souhaite voir fonctionner les conseils de hameau tous ensemble. Et j'en profite encore une fois pour remercier tous les agents du service démocratie participative sous couvert de monsieur Jean-Daniel Canampas. Voilà, donc est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, monsieur Guyard. Ouais, juste une remarque hein, sur le fond et la forme, plutôt sur le fond. Sur l'article 3, on met des habitants volontaires, toute personne, quelle que soit sa nationalité, âgée de 16 ans au minimum, habitant, travaillant. Alors, c'est avec un emploi, c'est un travailleur, c'est discriminatoire. Quoi. Donc, quelqu'un qui n'a pas d'emploi, il ne peut pas se venir en conseil. Une mère de famille sans emploi ne peut pas être au conseil de hameau. Est-ce qu'on pourrait ou changer ce terme ou l'améliorer? Il n'y a rien de discriminatoire dans ce qu'on souhaite noter. Donc, toutes les remarques seront bien sûr, encore une fois, les bienvenues et on les intégrera. L'objectif, c'est de le rendre le plus participatif possible. Donc ce terme travaillant, où il manque qu'un mot à côté, ou travaillant sur la commune, il y a peut-être quelque chose, une coquille qui s'est créée, oui. Mais ce terme travaillant seul ne peut pas rentrer aujourd'hui sur un vote
voilà, tel qu'il soit, même si ça appelait à s'améliorer, on ne peut pas voter avec ce terme, il faut être un travailleur. Voilà. Non, tout à fait. Nicole, donc il faudrait le supprimer, ce terme. Alors, excuse-moi, personnellement, ce que je comprends, c'est que c'est soit des gens qui habitent, soit des gens qui travaillent. Travaillent sur la commune. Donc c'est pour moi, ce n'est pas des gens habitants travaillant, c'est soit des gens qui habitent, non, soit des gens qui travaillent. Là, on est uniquement sur de la syntaxe, effectivement. Donc on va le formuler peut-être différemment, mais l'idée, c'est effectivement toute personne... Ben un commerçant, par exemple, un commerçant qui n'habite pas la ville peut participer au conseil de l'hameau. Et sinon, c'est juste un habitant. Ou un habitant. Tous les habitants sont, quel que soit bien sûr, leur statut social. C'est exactement ça. Laura, tu veux intervenir parce qu'on ne t'entend pas. Laura, qui connaît le secteur. Attends. Pour qu'en fait, quelqu'un qui n'habite pas sur la commune, mais qui il participe de sa vie, de la vie économique, puisse voter, en fait. Puisqu'on connaît forcément des commerçants dans des hameaux qui peuvent souhaiter faire part de ces conseils et qui n'habitent pas la ville, mais qui y participent puisqu'ils y travaillent tous les jours. Habitants travaillant sur la commune, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de problème. C'est bon, on prend en compte. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Oui, alors attendez, mais monsieur Han, allez-y. Oui, vous mettez deux élus. Est-ce que dans l'équité, on ne pourrait pas penser à mettre un élu majoritaire, un élu minoritaire à désigner, et que chacun puisse lui-même, alors après c'est... avoir avec les habitants, mais démarcher l'habitant qui pourrait être lui-même siégé. On sait que c'est politique. Que ça soit droite ou gauche, on sait que les hameaux, c'est politique. Vous savez que j'étais à la première réunion de Saint-Fargeau. C'est vrai qu'on en a pris un peu plein la cheville. Donc moi, je souhaiterais que si les hameaux se mettent en place, et je le souhaite, mais que nous soyons à l'équité majorité, minorité, au niveau des élus, au niveau des coprésidents et présidents. Alors, ça semble très compliqué, votre demande, monsieur Han, parce que... C'est pas compliqué. Enfin, logiquement, vous savez bien que le projet, quand même, aujourd'hui porté par les élus qui sont en charge de la gestion communale, ça ne veut pas dire pour autant, et ce n'est pas ma volonté, vous le savez bien, de ne pas associer les élus des groupes, de ces trois groupes politiques, pardon. Donc après, là, on parle de l'organisation de l'organe, en fait, du conseil de hameau, qui, effectivement, de manière générale, se présente ainsi. Après, rien n'empêche, bien sûr, aux élus de venir, pas forcément pour porter dans le décisionnaire, mais au moins pour participer au conseil. Je passe au-dessus de la politique sur les hameaux. Moi, je pense que les hameaux, ce sont des... Nous sommes des habitants de hameau. C'est à nous, qu'ils soient de droite, qu'ils soient de gauche, la politique dans le hameau. Je le crie depuis très longtemps, je le crie haut et fort, je m'en fous complètement. C'est un bien-être de son secteur. On sait tous que c'est hameau, que ce soit à Saint-Fargeau ou ailleurs, ces conseils de hameau, c'est de la politique. Moi, je ne sais pas. Je pense, je comprends ce que vous dites, Madame le maire. C'est vous qui avez institué, c'est vous qui avez... Heureusement que le général avait pris tout le monde, sinon on n'en serait pas là. Mais bon, moi, j'aimais, et Katoussia, avec son accord, je souhaiterais que sur son courrier, qu'elle le modifie en disant que des élus minoritaires, majoritaires, minoritaires, soient au conseil, voilà. Alors, Madame Nadal, vous voulez prendre la parole ? Excusez-moi d'intervenir, mais c'est pas que je souhaite pas participer à la vie de ma ville, mais je pense que je n'ai pas ma place dans les conseils de hameau, conseils de quartier. Je peux demander à être invitée pour y assister sur un quartier où j'habite, mais je pense pas que ce soit ma place. Donc je ne vous demanderai pas de participer personnellement. Alors, je vous propose du coup de voir entre vous, enfin, de vous mettre d'accord, et puis voilà, pour qu'on puisse... Alors, Monsieur Sadia.
Excusez-moi, mais ça va le faire. Ça va. Oui, je voulais simplement revenir sur, parce qu'il est cité, mise en place des permanences du marché. Est-ce que ce soir, l'on pourrait définir ces permanences du marché? Est-ce que vous acceptez qu'on en parle? Parce qu'il y a eu un précédent dont M. Walker a parlé au début de ce conseil. Nous nous sommes présentés à la permanence du marché pour y participer. Nous avons été très bien reçus par les deux conseillers qui y étaient au départ. Et puis après, on nous a tout à fait dit qu'on n'avait pas le droit d'y être. Alors la banderole a été changée dans la semaine, puisque maintenant, ça n'est plus les élus. Je vous propose, parce que là on n'est pas du tout dans le déroulé de... Oui, mais le sujet que vous êtes en train d'évoquer est un autre sujet. Il est en lien peut-être, mais il ne correspond pas à la charte. Ce n'est pas noté en tant que tel dans la charte. Vous m'excusez, mais on va clarifier le sujet. Je vous demandais si vous pouvez en parler. Alors, moi, pour le moment, je souhaite qu'on revienne sur le sujet qui est quand même la charte d'installation, puisqu'on doit valider ensemble le contenu de cette charte. On ne part pas sur d'autres sujets. D'accord. Sujet dont vous abordez, on pourra le voir ultérieurement, et j'inviterai encore une fois peut-être les présidents de groupe, pourquoi pas à un moment donné, à échanger sur ce sujet. Mais pour le moment, on revient sur la charte d'installation. Nicole, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est bon. C'est bon. Alors, je vous propose donc de voter encore une fois cette charte d'installation qui pourra bien entendu évoluer et on relèvera bien sûr vos remarques, Madame Griffith. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc, il y a 5 abstentions. Et qui vote pour? Je vous remercie. Délibération numéro 8. C'est la note qui concerne la garantie d'emprunt accordée par la ville à Plurial Ovilia pour une opération de construction de 61 logements locatifs sociaux au 68-70 avenue de Fontainebleau. Et c'est Jennifer Lamotte qui présente la délibération. Tu as déjà tout dit. Donc, il s'agit effectivement d'accorder la garantie d'emprunt à Plurial Novilia, qui est un bailleur du groupe Action Logement, donc nouveau sur la commune. Et en ce sens, nous vous invitons à accepter cette garantie d'emprunt. Est-ce qu'il y a des questions? On vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Qui vote pour? Monsieur Delicaya, d'accord. Merci. Délibération numéro 9. Convention halte des petits avec la Fondation Hélène Poidade, Julien Alouge-Génassia. Bonsoir. Il est demandé au conseil municipal de reconduire la convention de la halte des petits multi-accueil de 20 places située aux 4 rues Isidore Leroy. Les enfants sont accueillis de 4 mois à 5 ans révolus. 30% des places seront réservées aux enfants en situation de handicap ou porteurs de maladies chroniques. Modification importante de cette convention, le nombre de places pour les enfants ferrés au pontin passe de 15 à 20 suite au retrait de la ville de Pringy, ce qui implique un financement maximum de 66 300 contre 50 000 dans la convention initiale. La convention est annexée à cette délibération. Merci, Julien. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, Carole Nada. J'ai des questions relatives à l'article 3, participation de la ville. J'ai deux remarques à effectuer. Quel est votre argumentaire pour avoir augmenté le pourcentage de calcul, d'avoir passé de 70% à 100%, et vous parlez d'heures, est-ce que ce sont des heures réalisées ou des heures facturées? Et dans un deuxième temps, je souhaiterais savoir le montant de la subvention du contrat en phase jeunesse en N-1 et N-2, s'il vous plaît. Alors, les questions sont précises, c'est très bien. Julien, est-ce que tu as les éléments? Non, je reviendrai vers vous, Madame Nadal, pour vous donner les informations. Allez-y, madame. Dans ce paragraphe-là, vous marquez le taux d'occupation réel moyen. Mais là, il n'y a plus de moyens parce que vous passez à 100% sur la totalité d'heures réalisées. Donc, on va effectivement... Alors,
on entend des questions que vous posez. On va vous répondre à vos questions. Voilà, on fait en sorte d'y répondre. Et voilà, on fait comme ça. On va vous apporter les éléments techniques. Alors après, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. Vous vouliez intervenir du coup, non, Madame Nadal? Juste si vous avez un début de réponse sur pourquoi le passage à 100%, juste ce petit élément-là. Ben ça, c'est l'objet, c'est-à-dire c'est un objectif, hein, c'est d'atteindre éventuellement ces 100%. Parce que, si je peux me permettre, à l'heure actuelle, remplir une structure à 100% avec la crise sanitaire, c'est quand même un gros enjeu qu'on essaye de faire porter à la toute petite. Moi, c'est mon sentiment. Hein. Donc, en plus, c'est une sacrée augmentation sur 110%. On a récupéré aussi les places d'une commune, ce qui fait qu'on les intègre et ça nous augmente le nombre de places. En fait, c'est des places qui sont vacantes qu'on récupère et donc, on obtient 100%. J'ai pas l'impression, quand je lis la délibération, vous parlez du calcul de la subvention. Attendez, je ne comprends pas. Excusez-moi, peut-être je ne suis pas précise. Non, c'est là, c'est voilà, là qui est pas. Vous parlez du nombre. Alors, maintenant, vous parlez que 66 300 fois le nombre d'heures réalisées occupées par Bléféron Fontain. Vous passez à 100. Oui, ça y est, j'ai compris. Voilà, j'ai plus Pringy. C'est bon. Voilà. Donc on est à 100%. On est à 100%. C'était pas 100%. Voilà. Avec donc Pringy. Ma question est caduque. Désolée. Non, il n'y a pas de souci. Non, mais parce que du coup, oui, c'est pour la réponse, elle est dans la note. Voilà, le fait de passer à 100%, ça fait tomber effectivement tout le reste. Voilà, excusez-nous, hein, parce qu'il y a un petit problème d'incompréhension entre nous, mais voilà. Est-ce que tout le monde est d'accord? On peut soumettre au vote. Monsieur Guyat, vous pouvez demander la parole. Pardon, je vous en prie. Oui, mais je vous vois pas. Parle pas avant. Moi. Voilà. On connaît les raisons pour lesquelles Pringis. Parce qu'ils s'étaient engagés sur la durée quand même à prendre 5 places, avec un engagement qu'on devait même renouveler hein, sur la crèche qui ne se fera pas, là où on a voté la garantie d'emprunt tout à l'heure, il devait y avoir la même. Et connaît-on la raison pour laquelle Pringis sort du projet? Oui. Monsieur D'accord. Julien Loup, je vais vous donner les éléments. D'accord. Alors, l'absence de Pringis est momentanée, certainement pour des raisons financières. Aujourd'hui, en tout cas, ça reste une hypothèse. On n'a effectivement pas les éléments précis, on va dire. Voilà, ça reste une hypothèse. En tout cas, la commune... C'est un choix, hein, aujourd'hui, de la commune. Et on n'est pas là pour en débattre. Donc, qui vote contre cette délibération? Qui s'abstient? Qui vote pour? Vous votez d'accord? Mais j'ai pas dit qu'on débattait pas. Non, j'ai dit on peut pas débattre d'une commune. On parle d'une commune qui n'est pas la nôtre, monsieur Guyat. Bien sûr qu'on peut en débattre, on doit en débattre puisqu'on avait un accord tripartite entre nous. Non, mais je suis en train. C'est pas ça que j'ai dit. On peut pas débattre sur les choix de leur départ. C'est ce que j'ai dit. Me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Peut-être pas sur les choix, mais au moins en discutant entre nous. Pourquoi la raison Pringis s'en va. Mais non, mais vous transformez mes propos. Je n'ai pas écarté votre question. Attendez, je termine, s'il vous plaît. Je n'ai pas écarté la question que vous avez posée, puisqu'on essaie de vous apporter les éléments. La seule chose que je dis, c'est qu'aujourd'hui, si on n'a pas effectivement les éléments clairs du départ, ça reste des hypothèses. Donc on ne peut pas, nous, le conseil municipal de Saint-Fargeau-Pontiéry, donner des éléments concernant la commune de Pringy. Oui, moi j'aimerais débattre, non pas du choix de Pringis, soit-il de ne pas venir, mais de la réponse qui dit pour l'instant financièrement ils ne peuvent pas venir et plus tard sous-entendu ils pourront revenir. Là, il faut qu'on en débatte quand même. Aujourd'hui, on peut se dire, écoutez, si un accord qu'on avait pris ensemble, je m'en souviens très bien, négocié à ce qu'ils prennent 5 berceaux dans la durée
Et aujourd'hui, s'ils partent, il faut peut-être que le conseil municipal se dise et s'engage à leur faire savoir que s'ils partent aujourd'hui, ils ne reviendront pas demain, quoi. Ça, c'est, on peut en débattre de ça, quand même. Je pense. Bah, c'est ma question. Mais ce n'était pas exactement comme ça. Si, la raison pour laquelle on part, ça aurait été autre que financière, je comprends. Et le complément de réponse de dire on verra par la suite, alors là, non, on en débat. Donc je reprends la parole. Est-ce qu'aujourd'hui, on admet qu'un partenaire qui est avec nous et qui s'est engagé hein, dans un contrat, quand même, avec la Fondation Poidaz, avec la collectivité, Carole pourrait mieux en parler que moi, c'est elle qui a négocié ce contrat. Aujourd'hui, est-ce qu'on admet qu'ils partent pendant un an et qu'ils reviennent l'année prochaine en disant bah, écoutez, on revient maintenant voilà, c'est tout. Si on se dit... Au jour d'aujourd'hui, voilà la situation, et c'est celle-ci qu'on présente. Oui, on verra comment les choses évolueront. D'accord. Au jour le jour. Donc, je reviens sur le vote, puisque vous m'avez interrompu, je vous le rappelle, au moment où je faisais voter le conseil municipal. Qui vote contre ? Monsieur Guyard, s'il vous plaît. Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Donc, vous... je ne sais pas... C'est pas respectueux ce que vous êtes en train de dire. Mais vous parlez en même temps que je fais voter. Excusez-moi, je rappelle les règles d'un conseil municipal. Délibération numéro 10, renouvellement convention d'objectifs et de financement du LAEP. Donc là, le LAEP, je rappelle que c'est un lieu d'accueil enfants-parents, qu'on appelle la cabane aux couleurs, qui est situé à la maison de la petite enfance et qui fait partie des équipements qui sont soutenus par la caisse d'allocation familiale. Et cela dans le cadre d'une convention d'objectifs et de financement qui arrivera à son terme au 31 décembre 2021, pour la période qui allait de 2019 à 2021. Maintenant, il convient de signer un nouvel engagement donc pour une nouvelle convention qui durera en fait de 2022 à 2025, dans laquelle la commune va s'engager à respecter les objectifs de la caisse d'allocation familiale. Donc, il s'agit de me permettre de signer ces documents et tous les documents afférents, c'est-à-dire contractualisés avec la CAF pour le renouvellement de la convention d'objectifs. Du financement. Est-ce qu'il y a des questions ? Alors, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 11. Renouvellement, convention d'objectifs et de financement des multi-accueils. Donc, le multi-accueil, les enfantines et le jardin des lutins, qui sont situés à la maison de la petite enfance, font également partie des équipements que finance la CAF. Depuis le 1er janvier 2019, donc la CAF propose aussi une aide cumulable, en plus donc de la PSU, hein, qui est la prestation de service unique. Et donc, il s'agit de permettre... Donc ce financement complémentaire va s'adresser à tous les EAJE qui perçoivent déjà cette PSU. Et donc, il convient de signer les conventions par lesquelles la commune va s'engager, bien sûr, à respecter les conditions d'accueil conformes à l'agrément reçu par les deux établissements. Et on communiquera les éléments d'appréciation aux conditions d'accueil. Donc, il s'agit de m'autoriser à contractualiser avec la caisse d'allocation familiale pour le renouvellement de ces conventions d'objectifs. Est-ce qu'il y a des questions ? Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 12. Déclassement d'une parcelle située au 67 avenue de Fontainebleau, Alexandrine Farid. Je propose qu'on regroupe les délibérations 12 et 13 qui sont très liées. Il s'agit de régulariser une situation qui date de 1984. Donc, une personne est venue nous trouver souhaitant vendre son bien et le notaire lui souligne que, en fait, son immeuble empiète de 8 mètres carrés sur un espace public. En fait, il s'agit d'un parking qui est avenue de Fontainebleau. À côté de l'ancienne mairie. Cette emprise a été autorisée par un permis de construire, donc qui date de cette période. Donc la personne a construit en toute légalité, sauf qu'elle a construit 8 mètres carrés sur le domaine public. Donc il s'agit d'une part de constater qu'il y a forcément des affectations du service public, puisque du domaine public, pardon, puisque depuis 1984, donc la parcelle est aujourd'hui une habitation, enfin ce bout de parcelle, et donc de céder, donc après avoir déclassé, prononcé le déclassement de ces 8 mètres carrés, eh bien c'est de vendre cette partie aux riverains. Qui sur lequel est la construction. Enfin, la construction est sur cette parcelle.
Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ? Bon, c'est vraiment de la régularisation pure dure. Hein. Pas de questions. Donc, on soumet au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Merci. Et donc, on vote la deuxième. Qui vote contre ? Qui s'abstient ? Qui vote pour ? Je vous remercie. Délibération numéro 14, Jean Morlaix, échange de parcelles agricoles entre la commune et le groupement foncier agricole des Tilleuls. Oui, il s'agit des délibérations qu'on a déjà votées en fait au mois de mai, mais pour lesquelles il manquait un élément pour que ça puisse passer devant notaire. Il manquait en fait le prix des parcelles. Alors pour rappel, en fait, pour la parcelle, la ferme maraîchère que Cédric Le Sager est en train d'installer à l'heure actuelle à Saint-Fargeau, il n'a pas d'accès à la voie publique, à la route. Et donc, on avait conclu un accord avec les exploitants jouxtant la parcelle pour faire un échange de terrain pour qu'il ait un accès à la route et que eux récupèrent la surface équivalente sur la parcelle I-34. Ça fait une surface de 690 mètres carrés. On s'est rapproché de l'exploitant pour définir le prix de cette parcelle. Les prix courants à l'heure actuelle, c'est 75 centimes du mètre carré, les prix agricoles. Ça fait donc un prix pour chacune des parcelles de 517,50 €. Donc voilà. Merci Jean. Est-ce qu'il y a des questions ? J'en ai pour un petit mot. Alors, tout d'abord, vous avez raté l'occasion sur cette délibération, sur le plan qui est joint, d'indiquer la parcelle dont il a été question tout à l'heure, la parcelle que le PNR a soulevée pour son déclassement. Enfin, pour l'espace boisé classé, ça ne figure pas donc sur ce plan, c'est dommage. C'est ma première question. C'est dommage de ne pas l'avoir délimité. Alexandrine. Oui, je pense qu'il est clair qu'il n'y a pas de boisement. Non, mais ce n'est pas la question. C'est évident quand on voit cette photo qu'il y a... Parce qu'en fait, il y a un espace boisé classé qui a été mis dans le cadre de votre PLU. Hein. Donc, je pense quand même qu'il y a peut-être eu une petite erreur au moment où le PLU a été fait, puisque en plein milieu, il y a un espace boisé classé au PLU. Nous avons remonté avec Jean les photos aériennes jusqu'en 1930, en disant qu'il y en a peut-être eu à un moment. Il n'y a jamais eu d'espace boisé à cet endroit. Donc, je pense que lorsque vous avez approuvé le PLU, il y a eu une erreur. Bon, alors maintenant... Le PNR, qui constate l'erreur et qui dit « attention, c'est de l'espace agricole et ça doit rester agricole », nous demande d'enlever cet espace boisé classé qui a été posé par erreur. Et la photo aérienne est suffisamment parlante. Donc si je comprends bien, Madame Farry, vous avez devancé finalement avec ce plan la modification du PLU, puisque vous n'avez même pas éprouvé le besoin de reporter la trame du PLU. C'est donc dommage, parce qu'on aurait pu tous voir qu'effectivement, il y avait un énorme décalage entre ce qu'il y a au PLU et ce que votre photo aérienne. C'est dommage, c'est tout ce que je dis. D'autre part, je vous rappelle que le PLU a été révisé deux fois, Madame Farry, deux fois, et qu'il y a des espaces boisés classés sur la commune, vous devez le savoir maintenant, qui, effectivement, ne sont pas dans la réalité boisée, mais ils ont été inscrits pour des contreparties, et que donc le PNR a peut-être entériné. Je ne connais pas le détail de cette affaire-là, parce qu'on n'a même pas les éléments. Encore une fois, vous n'avez pas cru bon de voir reporter la trame du PLU existante, et vous avez devancé une modification du PLU. C'est votre choix. Donc vous nous dites des choses...
Entendu, ok, on va vérifier, on va interroger le PNR, on va demander qui est réellement à l'initiative de cette demande. On va, ne vous en faites pas, on va vérifier tout ça. Vous savez que c'est un sujet que je scrute de très près depuis la première délibération sur le sujet, parce que c'est absolument contraire au PLU. Donc ça, je le redis. Alexandrine. Il y a deux choses. Tout d'abord, il ne s'agit pas d'un extrait du PLU, mais il s'agit bien d'une photo aérienne. Oui. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir mettre un espace boisé en photo aérienne. La deuxième chose... La trame, c'est Madame Farid. Excusez-moi, je ne vous ai pas coupé la parole. Lorsque la délibération ne porte pas sur cet espace boisé classé, la délibération porte sur les échanges pour l'accès à la parcelle. Il est donc tout à fait normal qu'il n'y ait pas les éléments du PLU pour un échange foncier. Voilà, c'est bien de rappeler la nature de cette délibération. Merci Alexandrine. Je peux ? Allez-y, madame. Donc, en fait, vous ne m'avez pas compris, Madame Farid, je regrettais simplement, je trouve ça dommage, puisqu'on a découvert dans les décisions du maire que, justement, sur ce projet-là, il y avait une question de déclassement d'espaces boisés. Je regrette simplement, permettez-moi juste de regretter, pour notre parfaite connaissance du dossier, que vous n'ayez pas cru bon appliquer la trame du PLU, et je parle bien d'une trame de PLU, ce qui se fait régulièrement, une trame de PLU sur une photo aérienne. Bon, le sujet est clos, vous dites non. Bon, Madame entendu. Javier, Madame Farid vous a répondu. Oui, je vous dis simplement que c'était un simple regret. Alors maintenant, donc, je reviens sur la délibération. Oui, je reviens sur la délibération parce que, en fait, peut-être que mon intervention aurait été différente si je n'avais pas appris par les décisions du maire que ce projet de ferme nourricière était en fait beaucoup plus complet, beaucoup plus mystérieux en fait qu'il n'y paraissait. Donc, nous avons bien compris le fervent soutien de l'équipe municipale à ce projet de Monsieur Le Sager, qui s'est découvert une vocation d'agriculteur, et l'apport de nos impôts à ce projet avant tout commercial. Alors oui, baptiser ce projet de ferme nourricière, il est certes question d'un échange de terrain, mais vous parlez bien de ferme nourricière. Et vous avez même ajouté, Monsieur Morlaix, qu'il est en train d'installer. Il est en train d'installer. Donc, alors, baptiser ce projet de ferme nourricière, c'est très habile. La visite de groupes scolaires d'une noblesse absolument infinie. Ne croyez-vous pas qu'il faudrait maintenant que vous abordiez la face cachée de ce projet, dont j'ai déjà eu l'occasion de soulever certaines facettes lors d'un précédent conseil. Vous avez rappelé qu'il avait déjà été question de cela en mai. Donc, on ceci... a le départ d'Émilie Lelief qui donne son pouvoir à Djibril Souma. Voilà. Et donc, ceci, par un souci de vérité, et afin de ne pas davantage tromper peut-être les ferropotins. L'insistance de ce fameux accès carrossable, une nouvelle fois au centre des délibérations. Cet accès carrossable, en pleine zone agricole, n'est-il pas ? Trame du PLU ou non, on voit clairement, la photo aérienne l'atteste, pleine zone agricole. Alors la CDPNAF a-t-elle donné son accord ? Monsieur Valcaire, avez-vous continué à porter le sujet ? C'est vous qui aviez parlé de la CDPNAF quand on avait évoqué le sujet la dernière fois. Vous aviez évoqué un passage au CDPNAF en novembre. Qu'en est-il ? Sur quelle base cet accord aurait-il été donné ? Vous savez comme moi qu'un accord de la CDPNAF est absolument impératif. Comme pour les membres du Conseil ce soir, auriez-vous eu l'audace de ne leur soumettre que le projet d'accès carrossable, comme il est question là ? J'en doute et retiens que soit l'accord de la CDPNAF n'a pas été donné, ce qui serait normal parce qu'encore une fois, ce projet il est contraire au PLU, on est en pleine zone agricole, soit vous l'avez, et dans ce cas, pourquoi cacher plus longtemps les bases de cet accord ? Comme je l'avais évoqué précédemment, cette insistance sur l'accès fait peser sur ce projet une suspicion d'urbanisation de ce secteur. Quelle facilité de rendre constructibles les parcelles une fois l'accès créé. Rassurez-nous, soyez transparents. Arrêtez de nous cacher le contenu du projet. Décrivez-le, montrez-nous les planches du projet. Que va-t-il être ? C'est un magnifique projet. Pourquoi ne pas en faire la promotion ce soir, par exemple ? Donc, le conseil municipal n'aurait-il pas à connaître le détail de ce projet ? D'écart scolaire nécessite, je pense, une raquette de retournement, sauf si les règles ont changé. Il n'en est pas question, pas de plan. Monsieur Le Sager a fait un appel aux dons sur les réseaux sociaux
en contrepartie de remises sur les produits qu'il commercialisera, le business. Aucun bâtiment pour les activités de commerce, d'agriculture et d'élevage. Il ne s'agit sans doute pas à vos yeux d'un sujet relevant de la démocratie participative que vous nous mettez à toutes les sauces, encore tout à l'heure d'ailleurs. La nécessité de l'accès prime sur tout le reste, bizarre. D'autre part, quel dommage de ne pas encourager la mini-ferme thérapeutique de Saint-Sauveur-sur-École, qui, elle, sauve des animaux, n'a pas pour finalité exclusive le business et accueille les enfants avec un personnel formé. Ce projet que vous osez... Vous pouvez rigoler sur la mini-ferme thérapeutique. J'en ai moi-même une expérience. Oui, donc, excusez-moi, parce que j'en ai moi-même une expérience. Rappelez-vous de la ferme pédagogique qu'on avait sur la commune, Madame Gravier. Alors attendez, vous me laissez, laissez terminer là. C'est quand même très vous fort laissez... de mettre ce débat-là ce soir. Ah enfin, oui, mais il est très provocateur. Pas du tout. Pas du tout, parce que là, il est question de la mini-ferme. On pourrait. Enfin, Jérôme Guyard, je vous réponds. Je vous laisse continuer. Oui. Mais je vous trouve très provocateur. Donc, pas de problème, je pense que Jérôme Guyard vous répondra, parce que le sujet a suffisamment été abordé pendant 6 ans. Donc, encore une fois, je reviens sur l'intérêt de la mini-ferme thérapeutique de Saint-Sauveur-sur-École, qui, elle, n'a pas pour finalité exclusive le business, et accueille les enfants avec un personnel formé. Et elle sauve des animaux, en plus. Donc, franchement, c'est quelque chose de magnifique. Donc, ce projet que vous osez visiblement cacher le plus longtemps possible, on ne peut pas voir autrement, va détruire des terres agricoles, va ouvrir la voie à l'urbanisation d'un secteur agricole, à des finalités avant tout commerciales, pour semblerait-il des amis, le tout avec un soutien par nos impôts. Une nouvelle fois, nous voterons contre et vous assurons que nous suivrons de très près la légalité attachée à ce projet, d'autant que nous avons donc appris aujourd'hui le déclassement d'un espace boisé. Donc on suivra ça vraiment de très très près et nous voterons contre. Oui, puisque Mme Gravière a eu le plaisir de m'interpeller, je dirais simplement, vos propos sont conformes à ceux que vous avez eu la dernière fois, puisque c'est la même délibération. Donc, il est logique que vous soyez dans la même position. Donc, on ne peut que s'en réjouir. Mais puisque aujourd'hui, vous voulez des informations, nous, on vous confirme que, d'une part, d'avoir une ferme alternative, qui n'est pas que le copier-coller de ce qui existait, et qui n'est pas non plus en concurrence avec ce qui peut se faire à côté. Vous l'avez dit vous-même, c'est absolument pas le même projet. Il y en a un qui est associatif, avec des objectifs. Là, on est bien sur un projet, effectivement, avec des objectifs qui sont de pouvoir faire fonctionner une entreprise, de pouvoir faire fonctionner de l'emploi, etc. Donc, c'est clair. Voilà. Donc, par contre, juste puisque vous donnez peut-être une information... C'est vous que vous êtes choqué a priori que le PNR nous demande qu'un espace qui n'a jamais eu un bois puisse effectivement être classé tel qu'il l'est depuis les années 30, voilà. Même si à un moment donné, vous avez décidé de le mettre autrement dans votre PLU, il n'empêche que la réalité est ce qu'elle est. Et donc le parc nous demande, et on vous fournira le courrier, puis ça vous fera gagner du temps que de rechercher, on vous fournira le courrier. Il n'y a pas de souci du PNR et de la demande du président en ce sens. Voilà. Donc, par contre, vous allez vous réjouir. C'est qu'il y a aujourd'hui 70 arbres plantés, financés par le PNR, qui a pu le financer uniquement pour une bonne raison. C'est qu'on a fait enlever la dernière clause, effectivement, qui permettait d'avoir une subvention du parc. Puisque jusqu'ici, encore une fois, je persiste à dire qu'il n'y a jamais eu de subvention du parc à cause justement de ces trams noires. Voilà. Je pourrais y revenir si vous. Voilà, je reviendrai si vous voulez, mais si, c'est ce que vous affichez. Donc aujourd'hui, réjouissez-vous qu'on puisse, contrairement à ce que vous dites sur l'existence d'immeubles, de tours qui vont se faire de 17 étages dans la plaine de Saint-Fargeau, réjouissez-vous que depuis fin janvier, il y a 70 arbres et c'est pas fini. Voilà. Alors entre-temps, eh bien les personnes effectivement font avancer leur projet, on peut s'en féliciter. Sachez que les jeunes agriculteurs, c'est pas uniquement parce qu'on connaît ce jeune de la ville, c'est un jeune agriculteur qui en a le statut.
et qui est reconnu par la Chambre d'agriculture et qui peut avoir l'autorisation d'exploiter de façon légale. Eh bien, ce jeune agriculteur, effectivement, a reçu déjà, je crois, pas loin de 60 000 euros de subvention pour son projet. Voilà. Alors que vous, et c'est pas fini, et que vous, ensuite, vous puissiez dire que tous ces gens-là, ils font n'importe quoi, on vous le laisse dire. Simplement, quant à savoir exactement ce qui se fera, Monsieur Le Saget s'était engagé, et j'en sais bien, tout récemment, à pouvoir faire une réunion de présentation quand son projet sera finalisé, avec l'endroit où il va mettre ses serres, avec l'endroit où il va mettre tout ce qu'il faut, effectivement, un peu de bâti. Mais il se propose de le faire entre fin avril et début mai, hein, et de faire une réunion publique en ce sens. Donc vous aurez à ce moment-là toutes les informations d'un projet fini, dont on n'a pour l'instant que les grands principes. Pendant ce temps-là, bien entendu, les deux jeunes, parce qu'ils sont deux, hein, de la ville, les deux jeunes avancent. Il y en a un, c'est une reconversion professionnelle. Et je crois qu'il faut, il faut admirer ces jeunes qui ont le mérite d'entreprendre, voilà, plutôt que de les condamner, comme vous êtes en train de le faire. Nous, on les soutient. Le soutien aux jeunes, c'est une réalité, c'est une vraie politique. Et quand il faut soutenir des jeunes qui se lancent dans l'entreprise, eh bien, la commune, elle le fera. Elle l'a fait pour eux. Il y en aurait eu d'autres, c'était pareil, elle le ferait. Je vous rappellerai simplement pour terminer que c'était un engagement électoral. Si vous reprenez nos programmes, c'était dedans. D'avoir le retour d'une ferme qui, à une certaine époque, accueillait plus de 10 000, dont plusieurs milliers d'enfants qui connaissaient un handicap, que demain, ça sera effectivement aussi le cas, dans les conditions qu'on vous a présentées, du bail, etc., pas gratuit, hein, et que pour avoir ce projet, il faut un accès. Pour faire un accès, l'agriculteur a accepté de faire un échange, on peut que le remercier, et le chemin d'accès et autres n'est pas à la charge de la commune, il est à la charge de l'entreprise qui va s'installer. Donc on ne peut que s'en féliciter. Voilà, après, on aura encore à débattre sur ce sujet. Mais aujourd'hui, tous les propos que vous tenez sont ceux qu'on attendait que vous preniez. Vous ne changerez pas d'avis, vous avez tué, vous ne croyez pas à l'intérêt de ce genre de démarche, vous avez déjà tué cet emploi et effectivement la chose. Vous n'en voulez pas, comme vous ne vouliez pas de conseil de hameau. Mais on peut l'entendre. On a des projets, une vision politique de la ville différente. Et c'est très bien. Pour ça, quand il y a un stand de la démocratie participative qui se met sur la ville, ce n'est pas votre projet, c'est le nôtre. Bon. La ferme pédagogique, la ferme alternative, c'est le projet qu'on avait annoncé. Et on fera tout, pour terminer, on fera tout pour qu'il se réussisse. Et on accompagnera autant. On sait que vous ferez tout le contraire. C'est votre choix. Nous, on a fait le nôtre. Bien. Alors, est-ce que vous avez des éléments autres, enfin, complémentaires, parce que c'est toujours un peu le même débat, quand même, hein, sur lequel vous revenez. Hein. Donc, vous avez votre vision et qui est différente de la nôtre. Vous nous trouverez toujours sur votre chemin lorsque votre vision politique n'est pas conforme aux lois. Or là, ce projet n'est pas conforme au PLU et donc enfreint la réglementation de l'urbanisme de la ville. Donc tant que c'est indépendant d'un quelconque projet, vous m'embarquez sur les questions de soutenir les jeunes, ça n'a rien à voir. C'est simplement, ce projet n'est pas conforme au PLU. Je pense que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous ne nous soumettez aucun détail sur le sujet, parce que vous n'avez à ce jour aucune autorisation. Vous précipitez sur l'adoption de la création de cet accès carrossable, alors même que vous dites que le projet ne sera connu qu'en avril. C'est se moquer des ferro-pontins, et vous nous trouverez sur votre chemin là-dessus. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Bien, alors donc, il s'agit d'un projet agricole. Nous sommes en zone agricole et un projet agricole est autorisable en zone agricole. D'autre part, je souhaite vous rappeler l'article L153-16 du Code de l'urbanisme qui dit bien que la CDPENAF ne doit être consultée que pour autre chose que des projets agricoles. Alors c'est vrai que vous pensez toujours que ça suit, il y a des suspicions derrière tout ça et qu'il ne s'agit pas d'un projet agricole, donc il faut saisir la CDPENAF. Mais pas du tout. Il s'agit d'un projet agricole. Dès lors, la CDPENAF n'a pas à être saisie sur un projet agricole.
Merci pour ces éléments de droit. Alors, nous allons donc maintenant soumettre au vote, je rappelle qu'il s'agit de l'échange de parcelles agricoles. Écoutez... Vous savez pertinemment que vous n'aurez jamais l'autorisation pour ce projet à la CDPENAF et donc vous vous asseyez dessus. Point barre. C'est ce que je comprends aujourd'hui. C'est ce que je comprends aujourd'hui. Voilà. Bon, nous. Je rappelle que là, c'est l'échange de parcelles agricoles entre la commune et le groupement foncier agricole des Tilleuls. Ça, c'est l'objet de la délibération. Donc, qui. Nous. Est-ce qu'on peut bien, et j'entends, je suis heureux de l'entendre. Donc, Madame Farry, vous nous confirmez qu'il n'y aura pas de demande à la CDPENAF pour ce projet. On saura faire connaître. Voilà, donc maintenant c'est dit, ce n'était pas la peine de nous dire que ça va être fait, qu'en novembre on aura une réunion, que ça. Voilà, parce qu'on nous promène depuis des mois, et aujourd'hui vous avez le courage de dire il n'y aura pas de demande à la CDPENAF. OK, très bien. Très bien. Dont acte. Voilà, donc maintenant nous allons faire en sorte d'avoir les. On va demander si on peut en avoir, parce que c'est trop facile de dire on déclasse, c'est agricole, donc il n'y a plus de demande. Mais il y avait peut-être justement, et on comprend maintenant, le déclassement de cette petite parcelle qui ne faisait pas une zone agricole. On comprend maintenant tout ça, vous voyez, on tire un peu le fil. On va. Mais, si, en fait, c'est tellement c'est, gros, mais ben non, oui. Mais non, c'est des suspicions qui sont. Oui, c'est des suspicions légitimes. Suspicions, madame la maire, légitimes. Sinon, ça ne nous passerait pas comme ça en arrêté du maire, en séance, sans nous détailler. On le dirait ouvertement à tous les conseillers. Je suis désolé. Je crois que ouvertement, les éléments vous ont été donnés. Donc maintenant, nous allons voter cette délibération. Qui vote contre cette délibération? Donc 5 votes contre. Qui s'abstient? Qui vote pour? Merci. Donc le conseil municipal est terminé. La séance est levée pour le conseil municipal. Est-ce qu'il y a des...